Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct dans le talk sur Web Girondin. Je vois que Conan est en grande forme, il est là. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Salut aux sociaux, salut à tout le monde, à tous ceux qui êtes là. C'est la panne internet, mais nous ça fonctionne sur YouTube. Je vous présente tout de suite l'équipe autour du micro et on va commencer avec notre invité. Je suis ravi de le recevoir. C'est Adrien Mathieu. Alors je te présente Adrien, tu es journaliste, tu es podcasteur et tu es youtubeur, tu es sur Twitch et partout. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Nicolas pour l'invitation, c'est un plaisir de venir parler avec vous des Girondins, même si bon là on a pris une petite claque hier, mais on va essayer de se remonter le moral entre nous. Oui, parce que tu es aussi supporter des Girondins, on peut le dire. Ah oui, moi depuis, voilà. Depuis mes premiers matchs à l'Escure, 2001-2002, Eduardo Costa, Smertin, quel père de légende. Ouais. T'as bien démarré. Ouais, t'es au milieu. Ah, oui. Ah ouais, t'as démarré avec des cadors au milieu. 4-4-2 d'Elibop. Ouais, exactement. C'était une efficacité incroyable à l'époque. C'est ça. Ouais, Elibop. Quel talent, Elibop. Allez, je continue. Mais merci d'être là. Je rappelle que tu as un podcast sur la formation, Formation Football Club, qui est un podcast qui existe depuis 2 ans, je pense, au moins maintenant. C'est exactement ça. Hein ça. Lancé ouais, en février, en février 2020. Donc merci d'en faire la publicité, c'est sympa. Non, mais c'est normal parce que j'en parle tout de suite. Hein, parce que tu reçois des personnalités du football qui travaillent dans les clubs, dans la formation, mais tout l'univers autour de la formation, que ce soit le recrutement et plein d'autres choses. C'est exactement ça. En fait, je me suis rendu compte que le thème de la formation, le développement des jeunes joueurs, on peut en parler, le décliner à l'infini, c'est-à-dire qu'on ne forme pas un joueur de la même manière en France qu'en Espagne, au Japon, en Amérique du Sud, et ça permet d'échanger avec des formateurs, des préparateurs physiques, des analystes, des scouts, et ça donne même des entraîneurs, hein, quel est le bon timing pour lancer un jeune joueur. Donc c'est vrai que je trouvais le concept intéressant, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans le développement. En tout cas, merci d'être là. Je continue le tour de la table avec Monsieur Gino Forte qui est là. Salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Monsieur Jonathan D'Agostino, salut Joe. Salut, bonsoir à tous. Et Monsieur Conan pour le chat qui est là ce soir avec nous. Il nous fait l'honneur d'être avec nous, Conan. Comment ça va ? Salut, salut, ça va. Dommage que Samuel n'est pas là parce que sinon je lui aurais dit non, je ne fais pas de choix entre l'émission et Nagui. Pour l'instant, Nagui, j'attends encore de le voir. Mais j'écoute les émissions en replay quand je ne suis pas là et je remercie Samuel donc pour ces petites boutades qu'il me lance. Voilà, donc si tu ne connais pas Conan, Adrien, voilà, tu vas voir, c'est un... il est très très drôle. Il est très drôle. Je salue tous ceux qui êtes là sur le chat. Voilà, vous commencez à vous connecter. Merci d'être là et de votre fidélité. On est diffusé sur YouTube et sur Twitch. Bien sûr, c'est pas sur Facebook, mais on vous le dit à chaque émission. Venez vous abonner à YouTube ou à Twitch. Laissez tomber Facebook. Donc on n'est pas diffusé sur Facebook parce que ça ne fonctionne pas. Merci aux sociaux qui soutiennent cette chaîne. C'est grâce à vous qu'on peut faire autant d'émissions. On est plus de 7000. Merci à vous. 7050 déjà. On a passé 7000. On a déjà 50 en plus. C'est super. Et merci aux 150 sociaux qui nous aident financièrement et moralement également. Je vous présente, messieurs, le programme de cette émission. Alors, hop, le sommaire. On va revenir, bien sûr, sur AS Monaco, FCGB, enseignement, tableau d'honneur. On va parler de Petkovic, de Franz Sergio, de la défense bordelaise et de vos enseignements. On verra où les débats vont nous mener. Après, on se posera la question, peut-on déjà faire un bilan après 9 matchs? C'est quand même presque 25% du championnat, hein, mine de rien. Nous avons joué. Hein. Donc, on en parlera. Bien sûr, Adrien, comme tu es là, j'ai mis la formation. Tu nous apporteras ton œil parce que nous, on n'a pas ton expertise et ton œil sur la formation. Nous, on est, en tout cas moi, je suis très fixé sur les Girondins et même la formation des Girondins. Je pense qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Et enfin, on fera un zoom sur le calendrier, du mois d'octobre. Gino, ça te va ce programme ? Très bien. Bon. On a de quoi faire, je pense, et de quoi dire après ce qu'on a vu. Et les dernières semaines, quand même, il y a des choses à noter en espérant du mieux, bien sûr, mais je pense qu'on va pouvoir débattre ensemble. C'est ça, exactement. Je rappelle, un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît.
ça nous aide, ça nous donne de la force, un petit partage. Et puis, nous, on va commencer cette émission, ce talk. Et on commence, alors je ne sais pas si tu connais l'émission, on commence avec les enseignements. Écoute, j'ai envie de te donner la parole, Gino, pour les enseignements. Qu'est-ce que tu retiens après cette défaite des Girondins de Bordeaux face à Monaco sur le score de 3-0, on t'écoute. Oui, on peut dire une lourde défaite. Et le premier enseignement, il va être la performance qui est loin pour moi d'être suffisante, notamment dans l'attitude. On en avait largement parlé. Les résultats, on n'est pas étonné de perdre contre une équipe de Monaco. Mais de perdre de la sorte, pour moi, ça ne va pas. Sans parler du jeu qui a été quasi inexistant, surtout en seconde période. Et c'est pour moi, clairement, on ne peut pas donner d'échec en blanc toute la saison. Donc, il va falloir réagir et vite. Le deuxième point, c'est sur ce nouveau chantier qui peine à démarrer pour moi. On savait que c'était un nouveau chantier avec plein de choses à remettre en place, que ce soit au niveau sportif, au niveau de la direction, au niveau des nouveaux joueurs qu'on a. Mais le bilan, il est assez affligeant, il faut le noter. Il n'y a qu'une seule victoire en 9 matchs et elle est contre la dernière équipe du championnat qui est Saint-Etienne. Donc, à ce rythme-là, on n'ira pas bien loin. Donc, il va falloir, encore une fois, réagir et réagir aussi au niveau comptable. Donc, il faudra gagner des matchs et notamment à domicile où on est là aussi catastrophique. Et le troisième, c'est le plaisir. On va noter quand même du plaisir qu'on ait pris quand même dans cette rencontre. Et malheureusement, ce plaisir, il est pris par la performance d'Aurélien Tchouaméni. Voilà, un joueur du club, un joueur que j'adore, vous savez, depuis quelques années, dont j'ai souvent dit qu'on n'aurait jamais dû s'en séparer. Mais bon, le business étant le business, on s'en est bien séparé. Mais malheureusement, c'est qu'on ne l'a même pas remplacé par un joueur du même profil. Et ça m'étonnera toujours. Et donc, on se retrouve avec des joueurs face à lui qui sont nos deux Brésiliens et qui ont semblé être comme des plots ou des joueurs très pataux par rapport à des joueurs en face qui ont beaucoup plus de technique. Et on y revient toujours à cette technique qui manque énormément à ce milieu de terrain aux Girondins depuis des années et des années. Et malheureusement, on s'est souvent trompé sur ces profils. Bon, écoute, intéressant. On pourra en parler justement de la formation bordelaise tout à l'heure. Joe, je te laisse enchaîner tes enseignements. Ça ne va pas être très différent de notre ami Gino. J'ai quand même vu, juste un petit truc positif, c'est que j'ai quand même vu une première partie de première mi-temps où on voyait des joueurs concentrés et qui défendaient bien. Clairement, on a vu quand même quelque chose. On a vu que le but, c'était vraiment d'avoir une... L'objectif, c'était vraiment d'avoir une sécurité derrière. Ça a plutôt bien marché jusqu'au moment donné où on donne un coup franc et que derrière la défense est complètement larguée, que t'as un Tchouaméni qui est tout seul au second poteau pour le second ballon et qui la met au fond de manière un peu chanceuse. Mais voilà, il y a une première demi-heure qui n'est pas inintéressante. On voit des joueurs concentrés, intelligents, ça défend plutôt bien, ça coulisse bien, etc. Et puis d'un coup, tout s'effondre, notamment au début de seconde mi-temps où là, on a revu la fin de mi-temps contre Nice, par exemple, notamment. Moi, je dis souvent, voilà, que on voit pour l'instant des bribes, des petits bouts qui font espérer qu'il y a un changement qui peut venir. Mais pour l'instant, je vois pas le véritable changement. Et comme l'a dit Gino, on sait tous qu'il faut du temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce confort bordelais, moi, qui me dérange un petit peu dans tout ça, qui est trop présent. Et j'ai encore vu beaucoup de têtes baissées à Monaco dès l'heure de jeu, dès le 2, même le 2-0 déjà. Quand tu vois le troisième but, ce qui se passe, c'est quand même Quatin qui fait une passe en contre-pied de Franck-Serge qui glisse, Meschier qui fait une faute, c'est fortement évitable. Tu vois qu'à ce moment-là, déjà, les joueurs, ils ont lâché, donc moi, ça me gêne un petit peu. Donc ça, c'est mon premier point, c'est que ben, on est toujours malade et que... Il va falloir du temps, sauf que j'ai l'impression que le temps, on n'en a plus trop. Donc, ça commence vraiment... C'est pas urgent, mais on commence quand même à s'approcher du danger, donc il va falloir faire attention. Et le deuxième point, c'est notre ami Petkovic. Je trouve qu'il a pas de... qu'il apporte pas pour l'instant de réelles solutions au milieu, malgré tout, malgré les absents, etc. Et tout. Mais j'ai l'impression qu'il se plante, notamment sur la compo au milieu depuis plusieurs matchs. On voit que le duo Franck-Sergio-Ottavio, ça marche pas. Contre un adversaire comme Monaco qui est largement supérieur, je pense qu'il faut s'adapter à cet adversaire là on n'a pas les moyens d'essayer d'imposer quelque chose, on le voit, de toute façon on l'a vu, on ne pouvait pas jouer quoi que ce soit, donc on était obligé de s'adapter et de se protéger au maximum, au moins au départ, qu'on a plutôt bien fait. Mais après on voit que du coup, dès qu'on a pris le premier but, après il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus de solution, il ne se passe plus rien malheureusement. Et je pense qu'on aurait dû vraiment faire un milieu à 3, notamment avec Adli un peu plus bas,
On sait que le point fort de Monaco, c'est ce milieu de terrain, et notamment Tchouaméni. C'est le maestro de Monaco actuellement, on l'a vu. Et je pense qu'un milieu à deux face à un milieu à deux avec un Tchouaméni qui en vaut trois actuellement, face à Franck Sergio et à Otavio qui sont complètement à la rue, ben c'était un petit peu limité. J'étais surpris aussi de voir en plus qu'au milieu, il n'a pas pris Lacou sur la feuille de match. Alors est-ce que c'est parce qu'il le sent un peu fragile physiquement? Mais alors pourquoi il le prend dans le groupe? Là est la question aussi, mais il se grille une cartouche dans ce cadre-là. Et en plus, quand je vois son coaching, notamment après le troisième but, où il fait sortir Franck Sergio et les deux latéraux pour faire entrer deux attaquants de plus et Zerkan au milieu, on se retrouve avec un milieu, on se retrouve avec une équipe coupée en deux qui était déjà fortement coupée en deux parce que le milieu a du mal. Et là, en plus, il nous sort les deux milieux. Et tu as une ligne de quatre derrière, tu as Zerkan et Adli qui sont pas du tout des milieux relayeurs ou quoi que ce soit, malheureusement, qui ont. Pas trop ce, ils ont pas trop, on va dire, le profil de ça. Et tu te retrouves avec une ligne de 4 devant. Enfin, expliquez-moi en fait le but. J'ai l'impression que c'était un coaching à la désespérée en plus à la fin. Donc Petkovic, là, plus ça va et moins il a de solutions. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu des choses qu'il a faites à la désespérée à la fin. Pour moi, ça m'a un petit peu gêné le coaching. Ça a accentué D'accord. le malaise que j'avais déjà sur le match, quoi. Voilà. D'accord. Toi, tu nous as fait des enseignements À la là. Samuel, pardon, excusez-moi. À la Samuel Vasselin, qu'on salue. Ok. Donc, il y avait deux points finalement. Oui, c'est ça, mais Trois. après, Deux points, parce qu'il d'accord. n'y a pas grand-chose de positif, la seule chose, c'est la D'accord, première demi-heure, mais que je dis où on est un oui. peu concentré, où on est plutôt intelligent dans notre façon de défendre, mais après, au bout d'un zéro, tout s'effondre. Voilà. Bon, mais Adrien, on va te poser la question. T'as vu le match, j'imagine. Qu'est-ce que tu retiens, toi? C'est quoi ton œil sur ce match, Bordelais? En positif, pareil, je retiens quelques bonnes bribes, on va dire, en première période, avec quand même un regret, c'est de ne pas être allé assez chercher cette défense monégasque qui est assez fragile, je trouve, depuis le début de saison, et notamment ce gardien Nubel, qui a tendance un peu à vouloir trop faire son œilleur. Et mine de rien, à part le tir de Pembélé, je crois que c'était le seul tir cadré, on n'a pas assez osé, on n'a pas essayé d'aller le chercher. Et je trouve que c'est assez dommage parce que j'ai pas senti une défense monégasque jusque voilà au retour des vestiaires vraiment impérial. Et c'est un petit regret. Et c'est aussi là le problème que j'ai, c'est au niveau des individualités offensives. Ali et Wang, bon, voilà, ils essayent de faire leur match, c'est du compliqué. Et pour l'instant, on n'a pas encore à la fois la liaison collective devant, mais aussi un troisième homme qui se distingue. Et c'est aussi là où j'ai l'impression que tout le monde se cache un petit peu au moment de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on a Kalou qui est extrêmement intermittent, Oudin qui, à part sa belle frappe au Vélodrome, nous a pas offert grand-chose cette saison. Dilrosun, voilà, on peut aussi se poser des questions. Certes, prendre Sergio, c'est quand même, on va dire, le coupable idéal, mais Dilrosun, je suis assez déçu quand même aussi de ses débuts ou par rapport aux joueurs explosifs de Bundesliga, même des sélections jeunes néerlandaises, j'ai beaucoup beaucoup de mal à le retrouver. Elis, voilà, on va le mettre un peu de côté parce que c'était sa première entrée en jeu et même il a fallu marquer un but contre son camp, c'était pas loin d'être un début raté totalement. Donc j'ai un peu de mal au niveau offensif. Par contre, sur Petkovic, je te rejoins aussi. C'est là où je doute par rapport à ce sélectionneur suisse qui, même s'il n'a pas les mêmes joueurs en défense, je me souviens de quand même son assise défensive contre l'Espagne. C'était extrêmement bien structuré en termes d'équipe. C'était quelque chose où voilà, l'équipe, elle était extrêmement difficile à manier. Et j'ai l'impression que ça a un peu volé en éclats et que même s'il cherche voilà, le tout pour le tout. En seconde période, l'assise défensive, j'ai l'impression qu'on a beaucoup beaucoup de mal à la trouver pour l'instant, et ça m'inquiète un petit peu parce que on a un Costil qui est vraiment, on va dire, impérial, rayonnant, mais qui prend quand même 20 buts depuis le début de saison. Quand Costil aura un coup de moins bien, est-ce que cette défense va pouvoir répondre aux attentes? Je n'en suis pas sûr, et c'est peut-être dommage. Et là, peut-être qu'on pourra évoquer les solutions tactiques. Est-ce que c'est pas mieux de repasser à une défense à 4? Est-ce que c'est pas mieux justement de remettre Otavio quoi qu'il arrive en sentinelle? Parce que je te rejoins aussi en double pivot, ça ne prend pas, ça ne prend pas tout simplement. C'est pas son style de joueur. C'est plus quelqu'un, voilà, un travailleur de l'ombre qui a besoin d'être seul en 6 pour vraiment être pleinement exploité. Donc voilà, un peu de regret aussi parce que même si voilà les résultats n'étaient pas là, il y avait quand même un état d'esprit qui était là.
Il y a eu la remontée contre Lens, le scénario tombeau battant de Montpellier, on a vu les images dans le vestiaire contre Saint-Etienne, le retour in extremis contre Rennes, et là on a de nouveau un peu ce basculement d'attitude, et c'est vrai que tu as dit, hier ça rappelait beaucoup l'équipe de la fin de saison dernière, et c'est jamais bon signe je crois. Ouais, c'est vrai qu'hier dans le débrief, quand on a fait le débrief à chaud, ce qui ressortait, alors que c'était Philippe qui a dit ça, ils avaient les têtes basses, hein, c'est-à-dire ouais. que ça on l'avait pas vu depuis un petit moment, les têtes basses, et c'est vrai que ça peut être inquiétant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, on peut commencer par ça, mais... Non, c'est sûr. Gino ? Non, au niveau de l'état d'esprit, c'est sûr que... Après, l'écart est tellement énorme avec Monaco que tu fais une mi-temps où tu es mené que 1-0 finalement, tu peux te dire... malgré tout, ils ont joué il y a 3 jours en plus, bien que ça soit une équipe bien meilleure, tu es capable quand même de donner au moins un maximum dans la seconde mi-temps. Et on a vu que très vite, tu prends ce but parce que tu ne rentres pas du tout dans ta seconde mi-temps. Et après, c'est le néant total, j'ai envie de te dire, franchement. Et on ne sentait pas des joueurs prêts à revenir. Adrien l'a bien dit, on a un tir cadré dans le match. C'est familier. On a failli mettre un but. On a failli et le mettre en ouais, plus. Et voilà. Et c'est Pembélé qui tire. Donc, au niveau offensif, ça a été cataclysmique. Parce que moi, je veux bien, hein, Petkovic a sa part de responsabilité comme tout le monde. Hein, il ne s'est pas dédouané d'ailleurs. Mais il y a des individualités qu'on est obligé d'allumer un peu ce soir. Kalou, excusez-moi, il fait un match tous les 10 matchs. Il fait une action tous les 10 matchs. Donc, on l'a vu à Montpellier, il va nous faire ça combien de temps en fait ? Il est complètement irrégulier. On le connaît. Il n'a pas envie d'être en concurrence avec d'autres joueurs. Parce qu'on se dit… Il y a des joueurs qui arrivent à son poste, normalement. Donc, normalement, son niveau, il doit monter à Kalou, son niveau d'exigence. Et ce n'est pas le cas. Alors, il n'y a pas que lui. Otavio, on l'a dit sur le match. Otavio, il est catastrophique. On parle de Franz Sergio qui fait des débuts, alors là, foiré total. Mais son copain à côté, il a la rue aussi, quoi. Donc, il y a plein de joueurs, pour moi, qui devraient être quand même des joueurs plus installés déjà dans l'équipe, qui devraient être à un autre niveau. Et qu'on n'a pas vu du tout, et qui font que, pour moi, ton collectif, il est quand même tiré vers le bas, parce que déjà qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, je trouve que les individualités, Petkovic l'a dit d'ailleurs, il y a quelques joueurs quand même qui sont largement en dessous du niveau qu'on attend. Et rebondir là-dessus, Joe. Non, mais après, juste, quel est le niveau de Kalou, en fait ? Kalou, on le connaît. Pas vraiment, on l'a jamais vu vraiment être régulier sur plusieurs mois, etc. Il y a beaucoup d'énigmes en fait dans cette équipe. Franz Sergio, malheureusement, on comprend pas ce qui se passe pour lui. Otavio, pourquoi il est devenu aussi transparent. Les joueurs comme Dil Rossou, Nélis qui reviennent de blessure. Dil Rossou a été blessé très longtemps la saison dernière. Je crois qu'il a joué jusqu'une dizaine de matchs. Wang qui est un petit peu, qui effectivement joue non-stop depuis pratiquement un an et demi. Meschier qui revient de nulle part. Quatin qui est pour la première fois vraiment un titulaire, dans une, on va dire indiscutable. Mensa, oui, ça arrive un petit peu nulle part. Pembélé qui n'a jamais fait une saison complète. Il y a beaucoup de choses que tu te fais dire. Il y a beaucoup d'énigmes. Et après Petkovic, voilà, je l'ai un peu tapé en disant j'ai l'impression qu'il ne trouve pas de solution, etc. Mais c'est vrai que dans cet effectif-là, est-ce qu'il y a une valeur sûre ? À part Kostil, moi, je n'en vois pas. Même Koscielny qui est tout le temps blessé, c'est compliqué de se dire que c'est une valeur sûre désormais. Donc à part ton gardien, sur qui tu peux compter réellement sur toute une saison ? Sur personne. Adrien, on a vu que Petkovic, justement, il essaie d'installer de la continuité. Depuis un mois et demi, il aligne quasiment le même 11 dès qu'il peut. Finalement, ça n'a pas porté ses fruits, malheureusement. Non, mais c'est exactement ça. Autant dans la réaction, il a souvent été plutôt bon, il s'est trompé, mais on a un peu de mal à voir en fait, un match plein. Parce que suite Saint-Etienne, bon, dans des conditions un peu... difficile au niveau de la météo, un match à part, j'ai pas envie de dire que c'était quelque chose, mais je dis au moins pour l'état d'esprit, ce match on le prend, ça il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que dans la continuité, la lisibilité de ces compos d'équipe, on a un peu de mal et on a souvent vu les Girondins beaucoup souffrir, être un peu tâtonnés, quoi. Enfin, moi je me souviens de la première mi-temps contre Lens, c'était très très dur de vue du stade, quoi, parce que là en termes de faiblesse, on a beaucoup parlé de la technique, et c'est vrai que en termes de faiblesse technique, d'erreurs et tout, on a accumulé vraiment beaucoup c'est de choses, où je me dis que ça va être dur l'apprentissage. Après, bon, on sait que le processus des Girondins, c'est particulier. Lopez est arrivé officiellement fin juillet, Petkovic est arrivé 10 jours avant la fin du championnat. Moi j'ai encore envie de lui laisser du temps, hein. Moi il n'y a pas de problème.
Je pense aussi qu'on peut se dire que l'excuse du calendrier, bon, c'est peut-être un truc où on peut se réfugier derrière, mais quand tu as déjà joué là, Monaco, Nice, Lens, Rennes, Marseille, tu te dis que bon, peut-être que là, tu vas attaquer à part Lyon et Paris, les équipes de ton championnat. Et là, c'est le moment où on va pouvoir voir en fait si Petkovic va enfin pouvoir prendre la mesure de ces équipes-là pour commencer. Je pense que c'est une bonne chose parce que faut le dire aussi, c'est vrai que Monaco, en termes de talent, hier, bah, c'est difficile de rentrer dedans. Et pourtant, il y avait moyen pour moi, encore une fois, en défense, d'aller chercher parce que Disasi doit prendre son carton jaune au bout de la 15e minute. Et depuis qu'il est arrivé de Reims, il n'est pas foufou quoi, à Monaco. Donc, je regrette un petit peu soit ce manque d'audace. On a parlé de technique, mais je pense aussi un peu de prise de risque, d'audace. Et pourtant, lors de sa première conférence de presse post-Clermont, Petkovic avait souligné ça, quoi. Il avait trouvé des joueurs qui étaient un peu dans la crainte de faire des erreurs. Là, je retrouve des joueurs qui commettent beaucoup, beaucoup d'erreurs, que ce soit sur le plan technique, sur le plan tactique. Donc, on peut être inquiet, ouais. Ouais, l'audace et peut-être un peu d'envie, moi j'ai trouvé hier. Il y avait moins de Mmh. détermination. Peut-être Oui, moins de totalement. détermination. Je sais pas si c'est de l'envie, de la détermination, mais il y en avait moins. On va pas chercher, on va pas presser. Alors que tu sais que Monaco, ils ont joué jeudi. Même s'ils avaient fait tourner, ils ont joué jeudi. Donc. Le Monaco n'a pas été impressionnant, je suis désolé, moi j'ai pas vu un Monaco, fait même quand tu regardes le match contre la Sociedad de 4 jours avant, Monaco, moi franchement, je les craignais pas, hein, très sincèrement, en fait tu les crains parce que sur le papier ils sont meilleurs que toi, mais quand tu vois le match, tu dis, notamment au niveau de leur défense, tu te dis, il y a quand même moyen si d'aller un petit peu le gêner, et on l'a vu, on a peut-être joué 5-10 minutes, c'est là qu'on se crée une grosse occasion. Pembele, peut-être qu'il peut la prendre direct, mais après ce qu'il fait, c'est pas si mal. C'est juste un mec qui revient sur la ligne et qui la sauve. Voilà, ça peut aller au fond. Mais on s'est créé une vraie occasion. On aurait pu vraiment la mettre au fond si on avait essayé un peu plus de poussée. Maintenant, au milieu, on n'avait pas de répondant clairement. Donc c'est compliqué. Effectivement, l'équipe était coupée en deux très vite. Donc forcément, nous, on était pour avoir des bons ballons en attaque, c'était un petit peu compliqué. Mais on dit qu'effectivement il faut du temps à Petkovic, etc. Mais le problème c'est que là on va commencer vraiment à arriver dans l'urgence et dans le danger face à des adversaires qui nous concernent. Et là on arrive vraiment pas bien en fait dans le mois d'octobre qui va être intéressant sur le calendrier. Mais sur le plan mental, tactique, technique, qu'est-ce qu'on a? Ça fait 2 mois, on n'a pas vraiment grand-chose qui nous rassure. Donc ce mois-là il peut être, on va en parler plus tard, mais. Ah, avant de donner la parole à Conan, tweet Gino, tu veux intervenir, Non, non, mais je voyais une réaction notamment sur le. Mais pour dire un peu, ça rejoint un peu ce que dit Joe, de Jeff Jean qui disait heureusement la Ligue 1 est faible. Et je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que la Ligue 1 est bien meilleure cette année. Moi que Et l'année dernière, ouais, clairement. C'est voilà, pas non plus, voilà, mais le moi que niveau est meilleur. Ah, le niveau homogène a monté d'un cran. Ah, ça n'a rien à voir pour moi. Et collectivement, c'est bien meilleur ce qu'on voit. Et on voit qu'il y a un aspect technique aussi pour moi qui est plus pris en compte qu'avant. Des joueurs qui jouent dans l'entrejeu déjà. Je vais prendre l'exemple du René Flaviente, qui était un offensif à la base qu'on met dans l'entrejeu, qui fait jouer les autres, qui nous a régalé la semaine dernière et qui a fait un très beau match face au PSG. Je vois que les entraîneurs, quand même, ils tentent des choses. Ils essayent d'insuffler un jeu totalement différent sur beaucoup d'équipes du championnat. On a parlé de Lens, on a parlé de Clermont. Attention, nous, on n'a pas le même type de jeu. On a une équipe qui se construit énormément sur un côté aussi physique, apparemment avec des recrues ou quoi, qui ne sont pas forcément en plus dans une adaptation assez simple de la Ligue 1 pour l'instant. Je me méfie un peu de tout ça et qu'on ne prenne pas trop de temps justement à être vraiment un bien par rapport à des équipes qui, elles, sont en place, quoi. Non, puis on n'a pas d'équilibre, tu vois que tout passe à droite. Tu vois que ça passe par Pembélé, à gauche il se passe rien. Mais après Mensah aussi, puis là depuis un petit C'est moment, là où depuis c'est sa un peu sélection. décevant qu'on pensait que l'équilibre, ils allaient le rétablir et finalement, Et avec après les ce qui est bizarre, recrues, c'est il que. n'est pas si rétabli que ça, cet équilibre gauche-droite. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que Mensah ne joue pas trop. Mangas, on voit que ce n'est pas un offensif. Malheureusement, il n'apportera pas autant que Mensah. Mensah peut être un pendant un peu plus intéressant qu'avec un Pembélé à droite. Maintenant, Mensah, je ne sais pas ce qui s'est passé avec sa sélection et effectivement le fait qu'il ait été mis en quarantaine. Ça a pesé beaucoup, on le voit. Donc là, je vois qu'il va repartir en sélection. Je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais effectivement, ça pose problème, apparemment. Donc peut-être qu'il va devoir faire un choix aussi à un moment donné. Est-ce qu'ils seront isolés, Adrien, tu sais, s'ils vont être de nouveau isolés au retour de sélection, les joueurs qui partent sur le continent africain ou Ben, asiatique? ça pose des questions, mais normalement, si c'est la procédure, je pense que oui. Et là, on met le doigt sur quelque chose. Au-delà sur de la trêve internationale, on sait que, par exemple qu'il y a des Sud-Américains qui ont des matchs, je crois, dans la nuit de jeudi à vendredi, leur club joue le vendredi ou le samedi, et du coup, ils peuvent pas jouer. Là, on a de nouveau un problème avec vaccination, quarantaine, et mine de rien,
Mensah, on ne sait pas trop pourquoi, mais il est réapparu dans le groupe très très tard après cette première trêve internationale. On se dit que bon, en gros, le mec, il sera quoi de nouveau opérationnel troisième semaine d'octobre. Donc moi, je me pose des questions. Je n'ai pas tous les détails. Je ne peux pas te dire vraiment si, encore une fois, il sera mis à l'écart, mais pour moi, la procédure ne change pas. Bah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué dessus. On devrait peut-être en apprendre plus cette semaine. Bon, Conan, ils sont comment là, les chatters là, sur YouTube? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, il y a eu une question que je donne après. On dira la température du chat, où pour l'instant, ben, ils sont tous déçus. Ils craignent tous, dans tous les cas, les relégables. Ils espèrent qu'il y aura trois équipes, comme ils ont dit, plus faibles que nous, pour être derrière nous et nous protéger. Et surtout, voilà, comme ça a été répété plusieurs fois, quoi, on a joué un Monaco très faible. Qui très faible, au... faut pas exagérer quand même. Ouais. Qui était pas impressionnant. Voilà, la qualité des joueurs et la qualité quand même est là. Voilà, ils viennent d'acheter les trois victoires d'affilée. Hein. Comme ça a été dit, il est vrai. T'enlèves sur le match, t'enlèves Tchouaméni. Imaginons qu'il se blesse avant le match ou autre, tu l'enlèves. Il n'y a plus aucune construction vraiment qui se fait correctement dans le match. Moi-même, je l'ai vu. Tout est passé par Tchouaméni tout le match. Oui. Il a eu des relais quand même sur sa Après, voilà. Donc, t'as des relais. Comme après, ben c'est sûr que Monaco, ouais. Voilà, Monaco reste Monaco. Ils ont des joueurs de grande capacité. Ils ont un banc. Ils travaillent un projet de jeu depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, bon, Mais bon, c'est vrai qu'on aurait eu moyen de rien que pouvoir recoller au score à un moment donné. Après, justement, on a parlé de Mensah. Johan Savin a demandé, il a dit pourquoi il ne joue plus. Comme tu as dit, on ne communique pas dessus. Quand on regarde ce qu'il avait donné face à Clermont, il a dit, lui, il avait vraiment trouvé pas mal contre Clermont, l'arrière Kouateng, Grigersen, Mangas et Mensah, sur la gauche totalement. Et je prolonge la question. Du coup, est-ce que Petkovic, il pourrait pas sortir Mangas de ce rôle de piston, le mettre peut-être central gauche, mettre Grigersen de l'autre côté et intégrer Mensah qui est un peu plus offensif? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de cette intégration de Mensah? Pas mal. Bon, ben moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi tu sortirais Kouateng plus que Mecher ou que Grigersen, déjà. Et après, il y a juste un truc, c'est que Mensah, effectivement, offensivement, est très intéressant. Par contre, défensivement, c'est comme Pembele. Sur le repli défensif, on l'a pas beaucoup vu quand même. Si, alors, rappelle-toi du match, alors je sais plus si c'est Nice ou quoi, mais il crée un gros déséquilibre en fait parce qu'il montait beaucoup et qu'il avait pas la, entre guillemets, il faisait pas l'effort de se replier derrière. Du coup, il y avait le côté gauche. Je crois que c'est contre Nice où on prend vraiment des vagues dans tous les sens. Mensah, il a tiré, je crois qu'on est sur ligne de 4 en plus. Et Mensah est juste cataclysmique défensivement. Offensivement, il se passe des choses. Mais malheureusement, vu qu'au milieu, en plus, ça couvre pas trop. Tu sais qu'en ce moment, malheureusement, Otavio n'est pas le Otavio qu'on a connu en termes de ratisseur et de protection de défense. Ben, Mensah, il cause un déséquilibre. Et si t'as Pembele, qui cause un déséquilibre à droite, si t'as un autre déséquilibre à gauche, déjà que l'équipe est pas très équilibrée. Alors, c'est peut-être pour ça que Mensah n'est peut-être pas remis pour l'instant, effectivement, en tout cas, sur le terrain. Maintenant, quand tu auras peut-être un Sissoko et un Onana qui vont revenir, qui sont beaucoup plus bosseurs au milieu, peut-être que là, tu pourras avoir Mensah et Pembele sur les deux côtés. Et pourquoi pas Mangas, effectivement, défenseur gauche, Grigersen à droite et Mecher au milieu. Après, l'idée de Kouateng, c'est juste que je ne suis pas sûr que sortir Kouateng soit la solution maintenant. Après, peut-être faire souffler Mangas un petit peu. Mais peut-être faire souffler Mangas, je pense, un petit peu aussi, qui a besoin peut-être un petit peu aussi de respirer. Voilà. Adrien, sur Mensah? Non, franchement, une bonne solution, c'est vrai, pour avoir un piste offensif. Hein. Sa performance au Vélodrome, moi, m'a beaucoup plu. Est-ce que c'est le fait vraiment d'avoir des nouveaux joueurs qu'on attendait depuis je ne sais combien de temps, où on se dit, ça y est, on est libéré et tout. Donc, peut-être que c'était un peu un avis surréaliste. Mais non, j'aime bien son profil de joueur. On sait qu'au Portugal, de toute façon, c'était un peu ça. Hein. Déjà, c'était ses défauts hein, en termes de repli et tout. Maintenant, c'est trouver l'assise offensive. Est-ce que, par exemple, un Mensah un cran plus haut, peut-être en termes d'ailier, je ne sais pas, quitte à tenter à bousculer les certitudes, est-ce que ce n'est pas aussi à tenter pour lui offrir vraiment cette liberté? Mais bon, c'est vrai que sur ses apparitions, je l'ai dit, Nicolas, on ne l'a pas beaucoup, beaucoup vu. Donc, en termes de jugement, il faudrait un peu revoir, un peu tempérer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce joueur offensivement. Et tu as parlé d'équilibre gauche-droite. Je pense que lui, justement, il a cette capacité à réclamer le ballon, à faire des courses. Et donc, ça devrait plaire à ses coéquipiers. Donc, je pense que le ballon, il lui parviendra. Gino, tu veux ajouter quelque chose sur Mensah? Non, je pense aussi, on aimerait bien plus le voir parce que les premières sorties avaient été intéressantes, en tout cas dans l'apport offensif, la qualité de centre, mais qui est quand même capable d'apporter plus que
beaucoup d'arrière latéraux qu'on a eu, apparemment, en tout cas du côté offensif. Après, il faut trouver un équilibre défensif aussi, c'est clair. Et il faut qu'ils soient en capacité de bien défendre, surtout que nos trois axios font, je ne vais pas dire ils font peur, mais quand même, ils ne sont pas d'un niveau extraordinaire, il faut être honnête. Parce qu'on a, on a trois axios derrière où on sait que ça peut mal se passer. Et on est à 20 buts pris où on est la plus mauvaise défense du championnat. Donc, ça veut dire quand même quelque chose avec un très bon gardien. Donc, il y a des soucis quand même. Et voilà, donc je pense qu'à revoir, on espère qu'on l'aura bientôt et que, voilà, que ça ne va pas être la galère pour lui, qu'il ne puisse pas enchaîner les matchs et que ce soit encore une difficulté de plus pour l'équipe, quoi. Tiens, j'ai une question, c'est David Averro qui m'a posé la question sur Twitter. Il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas repasser l'équipe à 4-4-2? Il voulait votre avis, messieurs, dessus. Ou est-ce que le système est figé? Alors, moi, j'ai quelque chose par rapport à ça. Parce que dans l'idée, pourquoi pas, ça pourrait être une idée, quoi, avec des profils de joueurs. Mais si tu gardes, à David, j'ai envie de lui poser la question, si tu gardes le même milieu terrain, David, ton 4-4-2, tu vas avoir quand même des soucis. Hein. Mm-hmm. Si tu as Otavio et Fran Sergio au même positionnement, je peux te promettre que tu vas avoir des soucis. Hein. C'est ça la problématique. Un 4-4-2 avec d'autres profils, je pense que ça pourrait être intéressant. On ne l'a pas vu assez, mais si un mec comme Onana, il est dans la même performance un peu plus, on peut se dire qu'avec un autre joueur à côté, que ce soit peut-être Otavio s'il soit meilleur, ou je ne sais pas, un joueur qui, comme Fran Sergio, mais qui arrive à être bien meilleur lui aussi, bah, ça va être pareil. Hein. Au moins, ça serait peut-être plus complémentaire et ça apporterait plus d'impact et plus de densité au milieu de terrain. Mais les deux joueurs qu'on avait au milieu contre Monaco, si on les fait jouer dans un 4-4-2, on aurait eu, pour moi, on aurait eu quand même des soucis. Hein. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. C'est pas ce qu'on avait tenté à Nice et sur la première mi-temps contre Lens. C'était pas un 4-4-2 ou un 4-4-1-1 ou quelque chose comme ça, non, un petit peu. C'était pas... On avait une défense à 4, en tout cas, c'est sûr. Après, au milieu, j'ai un doute. Mais déjà, la défense à 4, avec tout. Je dis pas Nice, t'avais Oudin qui était un peu en rôle hybride. On savait pas trop ce qu'il jouait, justement, et tout, mais... Mais dans mes souvenirs, on était assez sur un 4-4, enfin, en tout cas sur une défense à 4 et la défense à 4, avec si tu mets Mensah à gauche et Pembele à droite, avec un milieu en plus qui n'a pas de répondant, défensivement, on va se faire mais juste bananer dans tous les sens. Dès qu'il y aura une contre-attaque, ça sera à 90% de chance but. Donc, de toute façon, quel que soit le système, j'ai l'impression que 4-4-2, 4-3-3, ouais, non, 3-5-2. Non, mais là, tu sais qu'on n'a pas de base défensive. On n'a pas de base défensive, donc il faut quand même effectivement essayer de renforcer la défense et le milieu pour l'instant. Malheureusement, l'idée, c'est pas de faire du jeu, c'est d'essayer d'avoir une base solide pour pouvoir après essayer justement de pouvoir après être serein pour pouvoir après attaquer. Pour l'instant, tu l'as pas, la base solide. Donc, prévoir faire un plan de jeu offensif ou quoi que ce soit, c'est très compliqué parce que t'attaques, on l'a vu à Montpellier, le premier but, on a une attaque derrière, on prend un but sur la contre-attaque derrière, alors qu'on est limite, on peut limite marquer juste avant et deux secondes après, on prend un cajou sur deux passes. Donc ça montre bien que l'équilibre n'est pas là du tout et défensivement, malheureusement, c'est compliqué. C'est une question de système, Adrien ? Oui, vas-y, Conan, pardon. J'allais dire, parce que je l'ai lu sur le chat, maintenant, c'est à voir ce que ça va donner contre Nantes, qui c'est qui va mettre en place. Il y aura peut-être une chance pour l'un. Grégoire Sané est suspendu, il a pris ses trois jaunes. D'ailleurs, il est très fort, ce mec, il est arrivé, il a pris trois jaunes en trois matchs et il est suspendu. T'exagères, en cinq matchs, t'exagères. Matchs. Non, là, là. Ouais, mais au moins, il est présent. J'avoue que par rapport aux autres matchs contre Monaco, j'ai trouvé un peu plus solide. Du moins, il a fait des interventions plus intéressantes. Maintenant, c'est à voir. Est-ce qu'il va privilégier Mangas derrière ou est-ce qu'il va donner sa chance à Medioub? Il a plein de solutions. C'est là justement où je pose la question à Adrien. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, j'ai l'impression, dans l'effectif de Girondins. Il peut jouer un peu comme il le souhaite. Mais pas en termes de qualité, Nico, normalement. Ouais. C'est ça, il y a des solutions, mais il y a quand même des individualités, des hommes forts qui se dégagent et t'en as besoin. Un Onana, c'est peut-être la recrue sur laquelle on avait le moins d'attentes et qui finalement est la plus indispensable en trois matchs et demi. Comme quoi, tout est possible. Et c'est vrai que c'est ce sentiment-là que Bordeaux, au-delà du système, a aussi besoin, moi, je pense, de trouver sa colonne vertébrale, un homme fort par ligne. Et pour l'instant, on a des bribes. Hein. On a Adli, Wang. Derrière, on l'a pas. En sentinelle, au milieu de terrain, on l'a pas forcément. On a notre gardien, c'est sûr.
Je pense que tu l'as dit, hein, le système pour l'instant, ça me paraît un peu prématuré de dégager vraiment le schéma idéal, tant on a l'impression que les joueurs tâtonnent encore, n'arrivent pas à trouver leur bonne place. Par contre, c'est vrai que certains ont vraiment une place dans, on va dire, en leadership à saisir, et ça manque, quoi. Derrière, il n'y a pas encore de patron. Et j'ai pu voir, par exemple, Meschère, bah, c'est bien ce qu'il a fait contre Rennes et tout, et directement, tu vois, on a sorti des trucs comme la rédemption de Meschère et tout, mais c'est la micro-analyse. Comment Merci. au bout d'un seul match, on peut se dire que Meschère est de retour? Non, 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 normalement, un mec qui rend retour, c'est qu'il enchaîne minimum 7-8 bons matchs. Voilà, c'est vrai que c'est très très bien ce qu'a fait Meschère contre Rennes, mais on n'oublie pas que c'est quand même un défenseur qui a toujours été très limité depuis son arrivée au Girondins, qui s'est engagé. On lui a donné un gros contrat de 4 ans et qu'il n'a pas forcément beaucoup, beaucoup rendu. Certes, il arrive un peu blessé. Il a été écarté très, très longtemps la saison dernière. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas non plus se satisfaire. On est Girondins de Bordeaux, on ne peut pas se satisfaire d'un seul bon match, quoi, pour un mec. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, mais tu as complètement raison. Après, si tu veux, alors, je ne veux pas parler des médias, mais médiatiquement, tu as l'impression qu'il fallait mettre en avant Meschère et il y a tellement rien à mettre en avant. Alors, c'est peut-être que j'exagère, mais rien à mettre en avant de positif dans cette équipe qu'on est obligé de monter Meschère. Comme tu l'as dit, la rédemption, voilà, tu as deux, trois articles sur Meschère dans des quotidiens importants. Et alors que bon, au final, il te coûte un but par match. Alors oui, il a marqué. Mais bon, c'est voilà, quoi, c'est Meschère, quoi. On voit tous son niveau. Hein, c'est. Ça fait partie un peu du, comme je dis, du confort bordelais, c'est-à-dire Ouais. qu'on a tellement rien en fait, quand tu dis qu'un mec marque un but de nulle part comme Meschère, tu sais, le Ouais. mec, c'est bon, il a tout Et rétabli la puis, balance, ça fait 3 ans qu'il est là, il est mauvais et puis quand il te dit c'est le depuis deux retour ans du et dix vrai mois. Meschère, quand lui-même te dit c'est le retour du vrai Meschère, ça fait peur, hein, parce que ça fait Ouais, non mais. combien de temps qu'il est au Girondin, ce mec-là? Ça fait Et 3 ans, puis, ça fait pas une voilà, saison. donc tu te dis, oh là là là, ah, il n'a pas la même exigence que nous on a, hein, ça c'est clair, hein. C'est pour ça que je parle du confort bordelais. Et moi, tu vois, même, en fait, il y a un truc qui m'a un petit peu. Alors, je connais la politique des supporters actuellement, des ultras, ou de dire on va encourager coûte que coûte les joueurs. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait aussi que nous, on soit un peu plus difficile. À un moment donné, ça va, quoi. Enfin, là, ça fait 2 mois qu'on est là. Donc, OK, on est patient, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut aussi montrer que ça devient relou un peu ce qu'on voit. Et on voudrait voir vraiment, en fait, quelque chose de cohérent sur plusieurs matchs. Je parle même juste, même pas de tactique ou quoi que ce soit, mais juste d'esprit. Parce qu'il y a même là, tu vois, Adli qui fait une très bonne première mi-temps là contre Monaco, ça fait 2 matchs. Il y a eu Saint-Étienne et après on a eu Rennes et Montpellier où là il passe complètement au travers. Et à un moment donné, c'est pas possible de faire un match sur 3 ou 4 voilà, ou de sortir ces matchs. Donc c'est pour ça, et à un moment donné, ça serait bien aussi que les joueurs un petit peu se prennent en main, se disent à un moment donné, voilà, il va falloir un petit peu qu'on se secoue. Bordeaux est en danger. Ça fait plusieurs années que c'est le cas, encore plus cette année. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, ce serait bien que les joueurs aussi prennent les responsabilités parce que je suis persuadé qu'ils sont capables de bien mieux. On parle d'un Franck Sergio, d'un Otavio, etc. Des joueurs qui sont confirmés quand même au niveau. Donc, à un moment donné, arrêtez un petit peu quand même de nous bercer. Nous aussi, supporters, on va peut-être arrêter aussi d'être endormis, de dire ah, c'est bon, ça va le faire, etc. Pour l'instant, moi, il n'y a rien qui me fait dire que ça va bien se passer. Donc, s'il vous plaît, répondez-nous, montrez-nous quelque chose parce que. On va avoir un mois très important et les Lorient, Nantes, c'est pas cadeau du tout là qu'on va affronter. Donc, on peut vite déchanter pour l'anniversaire. Peut-être que si on se rate l'anniversaire là, les 140 ans, peut-être que ça va commencer à jaser. Ah oui, mais de toute façon, la pression va être déjà là, hein, pour le match de Voilà. Nantes, je Et ça pense. serait bien qu'on sorte vraiment de ce confort qu'il a depuis des années et moi qui commence vraiment à me saouler grandement à Bordeaux. Voilà. Ah tiens. Ok. Toutes les places ont été vendues pour Nantes? On m'a dit que oui. Non. Non, Non. je pense pas. Non, pas du tout. Mais je pense Non, qu'il y aura un peu plus de monde qu'à l'accoutumée, Nico, quand même. ah, mais bon, je Vu ce pense qu'il on y a fait le espère. club et tout, je pense qu'il y aura un peu plus. Le stade Alors, je sera dis pas plein? qu'on. Non, je pense pas. Je Non? pense Pas pas guichet qu'on aille fermé, en tout cas. jusque-là. Mais Mais que tu es entre, je sais pas, entre allez, 23 et 27 000 personnes. Ouais, Tu vois? d'accord. Je pense. Après, si j'aimerais me tromper, qu'il y ait plus. Mais ce qui est sûr dans ce qu'a dit Joe, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Et que je pense que Petkovic va mettre la pression, à mon avis, par rapport à ce qu'il a vu. Donc il va y avoir une remise en cause. Et ils vont être obligés à un moment donné de gagner à domicile, parce qu'à domicile, le bilan, il est catastrophique. Il faut le dire, hein. On n'a pas gagné un match quand même depuis le début de l'année. Donc si tu commences pas, je ne sais De pas la si on va saison. gagner avant la trêve. Si... Ouais, depuis le début de la saison. Donc au bout d'un moment, à mon avis, il va falloir quand même qu'il y ait réaction. Et comme l'a dit Joe, je pense que le public, si ce n'est pas le cas et s'il devait y avoir contre-performance,
ça pourrait commencer à faire beaucoup pour un début de saison. Mmh. Bon les gars, on va continuer à parler de ce match avec le tableau d'honneur. Alors le tableau d'honneur, je t'explique. Adrien, c'est bon, on a lancé ça cette saison. On essaie de, on a du mal, de sortir un peu un profil. J'ai toujours du mal à argumenter sur ce tableau d'honneur. Ouais, non, c'est normal. Si tu les joues, c'est compliqué. Ah, là, là. Même moi, j'y crois pas au tableau d'honneur. Non, c'est pas vrai. Non, on a le Gigi du match, le Marc Planus du match, le Denilson, le Bruno Basto ou le Abdou Traoré. Alors, le Abdou Traoré, c'est quelqu'un qui est transparent. Voilà, le Bruno Basto, bon, tu connais, hein, après, voilà. Bon, messieurs, du coup, est-ce que vous placez un joueur de l'équipe des Girondins dans ce tableau d'honneur? Alors, moi, je pense à un tout de suite. Hein. Oui, mais... Oui, bah, oui. Ah, bah, alors je pense qu'on a tous le même en tête, mais bon. Franck Sergio. Ouais, ben, Franck Sergio, il a tous les critères, hein, là, Nico. Pour Abdou. Malheureusement. Ah oui, mais Franck Sergio. À bloc. Et là, il a même le Abdou Traoré d'or, j'ai envie de te dire, parce qu'il est en train de faire des performances. Il accumule. L'enchaînement des notes de l'équipe, c'est assez désastreux, quoi. Le mec a 2,8 de moyenne. C'est, ouais. Pff, je sais pas, c'est rarement vu ça. Ouais, c'est rarement. C'est j'ai fait la même. J'ai eu la même idée que toi, Adrien, ouais, par rapport à ça. Je trouvais que le 2 dans l'équipe, il est totalement logique en plus. Et puis quand tu le vois jouer, franchement, ça fait peur, quoi. Tu te dis comment il est dominé par ses adversaires et dans l'investissement, dans tout, quoi. Même dans le match, tu vois, il prend un petit pont, enfin, il est à la rue, le mec, il est totalement à la rue. Ça fait vraiment mal au cœur, même pour lui, quoi, parce que tu te dis, c'est pas possible. C'est un vrai cauchemar, hein. Franchement. Hein. Ouais, comment on peut expliquer, parce qu'on s'était beaucoup renseigné sur Web Girondin avant sa signature, on nous présentait ça comme un mec, comme un joueur plutôt expérimenté, qui était bon coup d'Europe, qui joue vers l'avant, qui fait même beaucoup de fautes dans le jeu, qui va au contact, et là, il n'y a rien quoi, de tout ce qu'on peut voir. Bah, moi, comme a dit un gars du chat, il a dit qu'il faudrait peut-être qu'il décroche la caravane. On ne lui a peut-être pas prévenu qu'il serait logé ici, tout ça. Il est venu avec la caravane et il ne l'a pas encore décroché. Mais non. Ouais, jamais Conan, Conan. Alors Conan. Il court très vite après, attention. Ouais, voilà, c'est pas ça. Le mec qui va te faire un 100 mètres. Pour moi, c'est pas ça. Mais oui, son profil de jeu, ouais, tu le connais avant. Ah, mais tu sais, avec une caravane, même les manœuvres, marche arrière, se tourner à droite, à gauche, c'est dur. Hein, donc, non, moi, là, de sa caravane. La chose que j'ai remarqué sur ce match, personnellement, sur Franck Sergio, c'est qu'on a plus vu de ballons essayer de passer par lui, et du coup, j'ai vu encore plus ses erreurs. Avant, je disais, il était transparent. On le voyait même pas dans le match. Là, je l'ai vu, mais j'ai vu toutes ses erreurs aussi au passage, du coup, à chaque fois, enfin, presque à chaque fois. Comment on peut expliquer ça, Adrien, qui passe au travers de l'adaptation? C'est possible? C'est difficile parce qu'on se dirige vers un accident industriel et pourtant, bah, t'as dit, hein, le mec cochait toutes les cases du joueur qui permettait dans ce genre de projet, de nouveaux projets, de s'intégrer rapidement. Je dis pas que c'est la recrue phare, mais c'est un peu le mec sur qui tu devais avoir le plus de certitude. Et finalement, c'est celui qui est le plus dans le dur. Et tu sais pas si tu vas pouvoir le rattraper parce qu'en termes de confiance, de sérénité, l'enchaînement de ces matchs, il dégage pas grand chose. Moi, de toute façon, c'est simple. Sur toutes ces apparitions, j'ai noté un seul truc positif. Je crois que j'avais mis dans un carnet de notes un tacle dans la surface rennaise, rageur pour récupérer un ballon. Tu vois, genre en termes de la balance positive-négative, elle est désastreuse. Et bon, je n'ai pas non plus envie de m'acharner sur le garçon. Peut-être qu'il y a des soucis d'adaptation, je ne sais pas tout ce qui se passe. Mais on a le sentiment qu'il est totalement perdu. Alors, est-ce que justement, c'est l'aspect tactique où là, le mec a vraiment besoin d'avoir le Otavio derrière lui et d'être accompagné par un autre milieu, que ce soit Onana ou Ali, pour voilà, avoir d'autres tâches, se détacher un petit peu de ce rôle défensif où, pour l'instant, il est le plus désastreux. Mais autant sur l'aspect défensif, je peux comprendre, autant même dans l'utilisation du ballon, il y a beaucoup, beaucoup de transmissions qui sont ratées, mais qui sont. Tu vois, c'est des choses assez simples normalement. C'est dépassé tout. Et en plus, il a cette fâcheuse tendance justement à revenir tout le temps vers l'arrière pour se donner confiance. Et du coup, il ralentit encore plus le jeu. Et du coup, tu te dis que, on va pas. Normalement, il doit faire un gros, gros passage sur le banc. Et voilà, tu dois le relancer petit à petit. Mais pour l'instant, comme tu as une petite pénurie de milieu de terrain, que Petco ne fait pas confiance à la coup, tu es obligé de le mettre. Et pour l'instant, il enchaîne les prestations désastreuses. Et c'est inquiétant. Ouais. Lui, c'est vraiment inquiétant. Ouais. Après, moi, si je peux juste me permettre par rapport à Franck Sergio.
Moi, j'ai l'impression qu'au départ, il n'avait pas prévu du tout de venir aux Girondins. Quand tu regardes un petit peu les médias portugais, etc., c'est un transfert vraiment surprise pour eux. Francisco, peut-être qu'il était au courant un petit peu avant, mais il était suivi par les trois gros clubs portugais cet été, par Benfica, Porto et le Sporting. Sergio Conceição l'aimait beaucoup, il s'était beaucoup renseigné sur lui. Apparemment, il était même rentré en contact il y a quelques mois, mais avant le mercato d'été. Et c'est un joueur qui a un profil qui est très apprécié au Portugal. C'est un facilitateur de jeu qui a beaucoup d'impact dans le jeu, qui peut jouer jeu court, jeu long. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de Fernando Medegado avec son pied. Le pied, c'est normalement, c'est censé être pas le même, mais ce style-là, en fait, du coup. Et là, on s'aperçoit que le mec, alors, il est complètement à la rue. Alors, quand je dis, est-ce qu'il avait prévu de venir au Girondin? Je ne sais pas. Je pense que, même je ne crois pas au départ. Même lui, il se rend compte qu'il ne connaît pas les Girondins de Bordeaux. Quand il arrive, il dit clairement qu'il ne connaît pas les Girondins de Bordeaux, etc. Du coup, il se retrouve dans un club qui est clairement en reconstruction, avec une équipe qui est clairement en reconstruction. Donc, et aussi dans la qualité de vie bordelaise, est-ce qu'il se sent bien à Bordeaux? Est-ce qu'il est bien installé encore, etc.? Je ne suis pas certain non plus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en dehors du terrain pour l'instant qui l'empêchent de vraiment s'exprimer aussi, malheureusement. Après, de là être aussi malheureusement dégueulasse, c'est étonnant. Là, c'est étonnant parce que c'est pas un joueur un joueur mentalement faible à la base. Hein. C'est pas un leader, etc. Mais c'est pas un joueur qui est faible mentalement. Et là, clairement, on le sent, mais vraiment dépassé. Et on l'a vu sur le but contre Montpellier, le troisième but, où il s'est bougé de la tête par Germain, qui fait trois têtes de moins que lui. C'est quand même très gênant. Et là, c'est là que tu dis qu'il y a quand même un problème en dehors d'autre chose que ce qu'on voit sur le terrain, tu vois, clairement, pour ce mec-là. Donc, on peut le taper, on peut dire il est mauvais, etc. Et tout. Et moi, ce qui m'étonne, c'est de voir aussi Otavio qui est en train de régresser pour se mettre au niveau de Franck Sergio. Otavio, on sait que c'est pas le meilleur joueur de Girona, etc., mais il avait de l'impact, et là, cet impact-là, il a même plus du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu? Voilà, mais moi, ça me rappelle aussi Bazic, hein. Bazic, qui est pas un mauvais joueur, hein. Mais à Bordeaux, ça matchait pas, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un problème au milieu aussi d'intégration de certains étrangers, etc.? Est-ce qu'on est... Je sais pas. Est-ce que Petkovic, alors, il privilégiait pas les recrues au détriment de certains joueurs? C'est une fausse idée que de penser ça. Parce qu'il privilégie finalement Franck Sergio au lieu de faire jouer Lacou. Mais peut-être que Lacou, on ne sait pas s'il est vraiment de retour en forme. Mais on peut se dire, comme on a recruté Franck Sergio, mais il aligne match après match pour lui donner du rythme. Et au détriment peut-être de joueurs qui feraient mieux le boulot, quoi. Non, mais au bout d'un moment, il va tourner, Nico, je pense. Là, il lui laisse du temps parce qu'il a besoin, je pense, pour qu'il prenne ses marques et montrer ce qu'il est capable de faire. On est vraiment au tout départ, à mon avis. Mais si tu vois que le joueur, il est en perdition, je ne sais pas, dans les deux prochains matchs ou compagnie, il va le faire tourner. Hein. Je ne pense pas qu'il soit complètement innocent, notre ami Petkovic. Et en plus, il joue avec la malchance de ne pas avoir Onana et Sissoko qui avaient réalisé quand même des matchs intéressants. Hein, mm-hmm. Le petit Sissoko. C'est vrai. Donc, c'est un secteur, encore une fois, on l'a toujours dit, le milieu de terrain, où on n'a jamais été en grand nombre, jamais trop fourni dans ce secteur de jeu. En termes de quantité et la qualité, n'en parlons pas. Mais voilà, je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Après, moi j'essaye d'entendre ce que dit Joe. C'est bizarre, j'ai envie de croire que ce mec est pas quand même... et pourtant, il nous donne à voir que c'est catastrophique. Oui. Hein. Mmh. Bah, c'est vrai que le troisième but, c'est affligeant. Si on n'a pas envie d'être optimiste, il prend le ballon, il doit aller vers l'avant 10 fois. Et Adli lui dit, il engueule par rapport à ça, on le voit. Ouais. Et il remet une passe en arrière, c'est affligeant, quoi. Il n'est pas dans le truc, il n'est pas dedans, quoi. Non, il n'y est pas. Pour moi, il n'y est pas du tout. Et j'espère, hein, si on pouvait avoir de bonnes choses avec lui et qu'il puisse se remettre la tête à l'endroit et que ça l'aide, peut-être cette petite trêve, là, et qu'il puisse avoir peut-être un déclic sur un des prochains matchs, ça nous ferait vraiment du bien, et à lui aussi, je pense. Hein. Bon, messieurs, on enchaîne. Le tableau d'honneur, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Un point positif peut-être? Un joueur qui sort du positif? Adli, j'ai bien aimé sa première mi-temps, sa première demi-heure. Je trouve qu'il a beaucoup d'impact. Ouais, voilà, mais comme je l'ai dit, c'est malheureusement, il joue un match sur 4. Et là, on a vu que lui aussi, malheureusement, c'est un petit peu baissé de niveau. Après, comme j'ai dit, le coaching en seconde mi-temps de Petkovic a cassé l'équipe en deux. Donc Adli, qui se retrouve au milieu, il n'a pas le coffre, on le sait, pour faire ça. Donc voilà, mais il avait beaucoup d'impact, beaucoup d'envie. Techniquement en plus, qui était plutôt intéressant. Maintenant, par contre, les coups de pied arrêtés ont été catastrophiques sur ce match, offensivement et défensivement. Et en première mi-temps, on a 3-4 situations intéressantes de coups de pied arrêtés. On les frappe super mal, que ce soit Adli, je ne sais plus qui les tire de l'autre côté, qui en a raté aussi. Calou. C'est Calou, voilà, qui tire de l'autre côté. Les ballons ne décollaient pas, je n'ai pas compris. Non. Mais Adli, s'il pouvait jouer plus souvent comme ça, comme on l'a vu contre Saint-Etienne, et sur cette première demi-heure où il était présent, il était partout.
Là, il m'intéresse grandement et là, il a un niveau qui peut être intéressant pour le Milan AC. Sinon, quand tu regardes Rennes et Montpellier, là, il n'a pas le niveau. Donc, il va falloir qu'il fasse plus de matchs comme ça et il pourrait être intéressant pour nous et même pour la suite de sa carrière derrière. Mmh. Voilà. On avait un joueur aussi, Nico, Charlie, qui disait sur le chat, je comprenais un peu l'idée, c'est un peu rude, hein, mais qui comparait un peu Pembélé aux côtés Bruno Basto dans le tableau d'honneur. Alors, Pembélé est plutôt très positif comme recrutement depuis le début qu'il est au Girondin. Mais justement, si on était dans une équipe qui tournait mieux, on serait peut-être encore plus exigeant avec ces joueurs-là. Et je trouve que Pembélé, dans ce que disait Charlie, je pense comprendre que, moi je l'ai trouvé aussi, il a beaucoup de capacités, ce gamin, notamment de percussion, il est capable d'aller très vite, il est très volontaire. Mais je trouve que dans le côté collectif qu'il a, il a des lacunes énormes. C'est-à-dire qu'il ne joue pas très bien les coups avec ses partenaires. Et on a vu des partenaires notamment lever les bras sur ce match de Monaco, notamment Wang, qui n'est pas un habitué quand même à ce type de comportement. Et on a vu que des fois, les passes n'arrivaient pas trop avec Pembélé. Donc voilà, il a lui aussi, je pense, dans son apprentissage, à mieux faire. Et ce n'est pas parce qu'il a des débuts plutôt réussis qu'on ne sent pas aussi qu'il a une marge de progression, ce qui est logique. Et on espère que Pembélé, il y aura aussi de l'évolution par rapport à ce poste. Moi aussi, il y a un truc juste. Un mot sur Pembélé après, Adrien ? Ouais, Joe. Vas-y, t'inquiète. Non, c'est juste par rapport à Pembélé, pour justement ce que dit Gino, là où effectivement, je mets quelques doutes. C'est à un moment donné, je le vois faire une action contre Monaco, et je crois qu'on n'était pas encore mené 3-0, ça doit être en tout début de seconde mi-temps. Et en fait, il perd le ballon. Il était en phase offensive, il perd le ballon, on est pratiquement dans la surface monégasque. Je sais pas ce qu'il fait pendant 2-3 secondes, il souffle, machin, tout ça et tout, et après il repart. Et ça, c'est le genre de comportement qui peut vraiment être gênant dans un collectif, parce que tu dis à un moment donné, t'as que 18-19 ans, mon gars, te prends pas non plus pour un Messi. Je sais que t'as joué avec Messi, Mbappé, Neymar, enfin non, Messi il a pas trop connu, mais en tout cas Mbappé, Neymar, etc. Mais je pense qu'un collectif, voilà, c'est pas que Pembélé. Et je pense qu'il va falloir qu'il fasse attention, par contre, à ce genre de comportement-là, parce que ça peut vite agacer. Et c'est peut-être pour ça qu'au tout début, Petkovic ne le mettait pas forcément titulaire d'entrée. Voilà. Adrien. Moi, Pembélé, je trouve que l'idée de recrutement est très bonne, déjà par sa polyvalence. Oui. C'est quelqu'un qui va pouvoir t'apporter des solutions. On sait qu'aujourd'hui, un jeune joueur doit être capable de jouer à 2-3 postes différents. Et lui, là, il coche cette case, c'est déjà un très très bon début. Maintenant, moi, j'oublie pas que je crois que cet été, il était aux Jeux Olympiques, la fameuse équipe de Sylvain Ripoll, où ça s'est cassé la gueule. Donc bon... il rentre au PSG, il part à Bordeaux, c'est beaucoup de choses à digérer et surtout c'est vraiment un nouveau rôle de titulaire où il doit assimiler. Je trouve qu'il a aussi des capacités intéressantes dans le fait d'attaquer l'espace, vraiment de prendre son couloir, de doser. Maintenant, voilà, c'est sûr que c'est un joueur qui n'est pas totalement fini, qui a encore une belle marge de progression. Il va falloir bien l'entourer. Exactement, et tu l'as dit, hein, c'est vrai que dans l'attitude et tout, il peut souffler et tout. Ça peut paraître frustrant, je l'entends. Mais à Petkovic, je vais lui donner ce cadre. Et voilà, je pense que, allez, contre Monaco, s'il avait marqué ce but, ça aurait été un scénario totalement différent pour lui. Il aurait pu être un peu un héros. Et j'oublie pas non plus son but contre Marseille. Donc, je trouve que le profil du joueur est intéressant, mais il faut le cadrer, ouais. Allez, est-ce qu'on peut faire un bilan après 9 journées de championnat? Et si oui, je vais vous donner chacun la parole. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Et si vous voulez le faire, mais vous me dites quel bilan vous faites. Gino, commence par. Non, pour moi, c'est impossible. C'est impossible de faire un bilan maintenant, ça serait une grave erreur. Ben, on l'a dit, hein, tout est en retard dans ce nouveau cycle pour Bordeaux. La direction, le recrutement, l'entraîneur. Donc, on prend un retard qui est énorme. Donc, ça n'excuse pas tout, parce qu'il y a des joueurs qui étaient déjà en place et on devrait avoir un niveau de performance qui soit mieux. Mais pour moi, en termes de résultats, je l'avais dit, ce n'était pas ça que j'attendais en plus en priorité. Mais même, on doit faire un bilan global bien plus tard. Et pour moi, c'est à la trêve qu'on verra vraiment où on en est. Mais avant, ça me paraît très peu cohérent de faire un bilan maintenant. Joe. Moi, j'ai envie de dire oui, mais pas un bilan définitif. Mais tu peux déjà prendre ce qui s'est passé. Ça fait quand même 2 mois de compétition, ce n'est pas rien non plus. Et tu constates que pour l'instant, ben, malheureusement, on n'avance pas. Et qu'on a malheureusement, comme je l'ai dit auparavant, il y a beaucoup d'énigmes. Et on n'a pas grand-chose de sûr pour le moment, au bout de 2 mois. Voilà, moi, ça me pose un peu problème. Et je ne dis pas que ça m'inquiète, mais ça ne me rassure pas pour l'instant. Et je me rappelle des gens qui disaient après Saint-Etienne, c'est bon, tout est lancé, machin, on a gagné notre match, c'est bon, tout va se lancer, etc.
Et on constate que derrière, ben, malheureusement, on n'avance pas plus que ça. On est toujours au même point. Donc voilà. Mais le bilan, c'est que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de système. On n'a pas de titulaire indiscutable. On n'a pas vraiment de leader à part Costil. On a beaucoup de blessés, encore une fois, comme on l'a depuis plusieurs saisons. Et tu vois qu'il y a encore beaucoup de problématiques qui se répètent. Donc, et malheureusement, on n'a pas trouvé de solution pour certaines choses encore. Donc, le milieu, la défense, on est quand même la pire défense de Ligue 1. C'est pas rien depuis 9 matchs. Pour l'instant, c'est compliqué de tirer du positif de tout ça. Donc, on ne va pas être défaitiste ou alarmiste, etc. Mais attention, comme je l'ai dit, on n'est pas, il n'y a pas d'urgence, mais on se met en danger pour un tournant qui va être important le mois d'octobre. Donc, voilà. D'accord, très bien. Adrien, toi, est-ce qu'on peut faire un bilan? Ça fait 23% des journées jouées quand même du championnat. Et quel bilan tu tires, toi, si tu veux en faire un? Je pense qu'il y a un bilan, on va dire, sportif, tactique. Ce sera après la trêve pour moi, parce que j'ai un peu de mal à juger, jauger. Il y a eu tellement de changements au sein de ce club. Je n'oublie pas qu'on a commencé contre Clermont avec la même équipe traumatisée la saison dernière. Donc, j'ai envie vraiment de séparer ça et de me dire vraiment, on pourra dire où en est ce début de projet Girondin au mois de décembre. Mais comme tu l'as dit aussi, il y a ce sentiment qu'on est obligé d'être exigeant quand même sur le plan défensif, parce que ça va pas du tout, quoi. On n'a vraiment pas dégagé une seule once de sérénité. Et on est obligé aussi de parler des recrues, parce que même si une recrue, il faut du temps et tout, le tableau, pour l'instant, on attendait beaucoup d'Atmar Lopez dans le fait d'apporter des nouveaux visages. Il y a du très positif comme Onana, il y a du, on va dire, positif comme Mensa et Pembele, et il y a des interrogations pour l'instant encore, comme Franck Sergio Dil Rossoun. Donc on a envie de voir ce mercato, forcément, où toutes les recrues seraient d'entrée d'attaque. Mais c'est marrant de voir qu'il y en a qui ont besoin d'interrogations extrêmement courtes comme Onana, et d'autres qui vont peut-être attendre, je sais pas, la seconde partie de saison pour révéler tout leur potentiel. Donc on est obligé aussi d'être exigeant avec ces recrues là, je pense. Tenez, j'ai oublié de poser une question. On m'avait dit, Nico, pose-la pendant l'émission sur la partie sur Monaco. Je vous la pose. C'était Frédéric Siez, qu'on salue, qui est socio. Il me dit, pour comparer le niveau des deux équipes, Monaco et Bordeaux, il me dit, quel joueur de Bordeaux pourrait être titulaire aujourd'hui à Monaco? Ben, Costil. Costil. C'est le seul. Ils ont gardé un très moyen. On a un Costil qui est international. Donc, voilà. Et on en a au moins un. Voilà. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est ton gardien, quoi. Donc au niveau du jeu, ça va être un peu compliqué. Mais après, je le vois. De toute façon, c'est incomparable pour l'instant. Clairement. Conan, sur le chat, qu'est-ce qu'ils disent? Là, je vois qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Je vois aussi tous ceux qui nous regardent sur Twitch, qu'on salue. Salut. Voilà, donc rassurez-vous, ceux de Twitch, comme je viens de lire le message, on voit aussi vos commentaires. Le Bordelais 87, ne vous inquiétez pas. S'il y a des questions, je les note aussi. Et sur le chat, certains sont un peu alarmés, mais en majorité, ils attendent tous, en fait, comme l'a dit Jessica, j'ai bien aimé sa remarque et je suis d'accord avec elle. On attend les trois prochains matchs. Trois prochains matchs qui sont des équipes quand même un peu plus prenables, on dira, que Monaco au niveau de l'effectif. Et donc, du coup, avoir ces résultats-là. C'est sûr qu'on peut tirer une conclusion là que pour l'instant, c'est un peu catastrophique. Certains, ils ont des doutes sur la fiabilité de l'équipe ou des recrues, comme ils ont dit, c'est surtout qu'on a acheté, qu'on a payé, qu'on n'a même pas en option d'achat, qui au final ne donne pas ce qu'on attend, à part Onana, sur deux matchs. Maintenant, on a joué Monaco là, à voir ce que ça va donner avec des équipes comme là, j'ai regardé, donc Nantes, Lorient, Reims, ces trois matchs-là. Si on les gagne pas, si on fait match nul, c'est pas super. Si on les gagne, tant mieux, c'est qu'il commence à y avoir quelque chose. Par contre, si on les perd, ça va commencer à craindre vraiment. Donc patience, si j'entends un peu tout ce qui se dit, à part Joe qui fait un constat, tu fais quand même le constat, Joe, que ce soit Adrien, Gino ou sur le chat, vous dites qu'il faut patienter pour qu'ils aient le temps de travailler. Et en même temps, on a du temps, puisque l'objectif, c'est quoi? C'est de se maintenir. Ils disent top 10, mais bon, c'est se maintenir, quoi. Mais après, ça dépend aussi de la DNCG. Si on a budgétisé une dixième place aussi, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, quel est l'objectif au niveau de la DNCG, au niveau du classement. Moi, j'ai une question là, Samir. Est-ce que, moi, c'est ce que je me suis dit en début de saison. On sait qu'il est ambitieux, Gérard Lopez, avec Bordeaux. Et moi, je me suis dit, s'il veut
déjà enclenché son trading, il va être quand même obligé et il va pousser pour que l'équipe ait des résultats assez rapidement, c'est-à-dire dès cette saison, pour pouvoir mettre en valeur déjà des joueurs et peut-être les transférer dès l'été prochain. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Adrien ? Ah bah c'est une politique sportive, on sait, hein, à Lille, à Boavista, il a fait ça, et c'est vrai que à Lille, hein, il y a eu aussi des débuts compliqués avec Marcelo Bielsa, ça a mis du temps, hein, à faire éclore différents talents, Nicolas Pepe qui a attendu vraiment la deuxième saison pour notamment rayonner, Thiago Mendes un peu pareil, donc je pense qu'il est dans cette logique aussi à Bordeaux, hein, justement de valoriser ses actifs, et c'est vrai, t'as cette certitude, c'est aujourd'hui, voilà, Adli est déjà parti, tu sais que Wang, il fera toujours, il va faire sa dizaine de buts, il va t'apporter tes garanties, tu pourras le vendre à un bon prix, mais en termes de ses joueurs à lui qu'il a ramené, faut lever les options d'achat, puis après les revendre pour l'instant. Allez, Jean Onana, s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il y a des scouts anglais qui raffolent de ce genre de profil, c'est une certitude. Maintenant, tu l'as dit, voilà, en termes de vente et tout, on sait qu'il aime bien ça, Gérard Lopezin, quand il avait dit aux médias, ouais, je vous promets 40 millions de ventes avec son petit rire, il s'amuse avec ça, hein. C'est quelqu'un qui est dans la communication extrêmement fort, hein. C'est là où on le reconnaît bien. Mais tu l'as dit aussi, c'est quelqu'un qui est extrêmement ambitieux, quand il arrive, qui dit, ouais, top 10 dès cette saison, quand il doit avoir les résultats là. Ça ne m'étonnerait pas que si ça se passe mal contre Nantes ou Lorient, il commence à monter au créneau et pose un petit coup de gueule. Peut-être pas à la Aulas, mais quand même. Ouais, ça c'est. Ouais, en effet, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ses réactions par rapport aux résultats, mais ouais, moi ça ne m'étonnerait pas de ça aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant qu'il a son compte Twitter, où il peut s'exprimer et tout. Enfin, moi j'ai été hyper surpris. Hein. Ah ouais, bon, après, est-ce que vous pensez que c'est lui qui s'exprime dessus ? C'est lui qui tape ses messages. Il y a toujours un conseiller en com, je pense. Voilà. Tape ses messages, non, c'est ça. Mais c'est ça. Voilà. Ouais. Il donne des ordres à un conseiller qui, lui, le tourne de bonne manière. Mais je trouve pour l'instant, comparé à Lille, quand il était arrivé justement à Lille lors de la promotion, je trouve qu'il n'intervient pas beaucoup par rapport aux Girondins, par rapport à ce qui se passe. Alors que Lille, d'entrée, Bielsa, il avait. On se souvient, hein, Bielsa était parti, etc. Il était beaucoup plus intervenu médiatiquement. Là, il est plus discret, alors. Il y a peut-être d'autres choses à gérer aussi actuellement. Mais quand il parlait Bordeaux, le confort c'est fini, etc. Machin, j'insiste beaucoup sur ça, mais moi, à ce niveau-là, il n'y a rien qui a changé. Et ça m'étonne justement de la part de cet homme-là. Donc ça fait que deux mois et demi, hein. Attends. Ouais. Hein, ça va pas. Non, mais rappelle-toi, Lille, avec Bielsa, au bout de 5 matchs, Dehors, Gatiari, machin, tout ça et tout, c'était de suite, c'était là. Et il intervenait beaucoup plus devant les médias. Là, on le voit beaucoup moins. Joe, l'investissement n'était pas le même quand même. La problématique est là aussi. Ils avaient beaucoup investi. C'est sûr. Et pas des prêts. Hein. Oui, voilà. Non, c'est mais ça. Bien sûr. Mais après, la situation n'est pas la même. Mais quand même, tu sens que pour l'instant, les résultats sont sensiblement les mêmes. Donc, oui. Étonnamment, on produit quand même, malheureusement, il y a quand même le même, entre guillemets, pas schéma, mais résultat qui se produit pour l'instant. Donc, c'est étonnant que pour l'instant, il n'ait pas encore réagi. Ou alors, peut-être qu'il est plus discret volontairement. Je ne sais pas. Ouais. Allez, on profite de monsieur Adrien Mathieu qui est là. Si vous le suivez sur Twitter, c'est Scipion, Scipionista, c'est ça. Et le podcast Formation Football Club qu'on retrouve sur toutes les plateformes de podcast, je pense. Exactement. Ouais. Voilà. Justement, comme tu es là, que tu as une spécialité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui est la connaissance de la formation. Tu interviews beaucoup de monde dans ce milieu-là de la formation, tu as fait beaucoup d'émissions dessus. Déjà, première question, j'ai envie de te dire, quel est ton regard sur la formation des Girondins et aujourd'hui dans ce projet Lopez? Et deuxième question, est-ce que tu penses qu'il y aura une petite place quand même pour les joueurs issus de la formation bordelaise? Alors, justement, je me suis renseigné en sachant qu'on allait aborder ce thème. J'ai pu échanger avec quelques personnes au sein des Girondins sur finalement qu'est-ce que c'était la place. Et j'ai bien senti qu'il y avait la volonté d'avoir une rupture par rapport aux Américains. On se souvient de cette mesure un peu honteuse de faire payer les clubs pour qu'ils deviennent des clubs partenaires, les clubs amateurs, pour qu'ils deviennent des clubs partenaires des Girondins. Et ça, on a vraiment balayé cette mesure. Enfin, on a dit non, on va essayer de rétablir des bonnes choses. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, c'est pas normal que dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, où Bordeaux a quand même un immense territoire
pour pouvoir capter des jeunes. Déjà, rien qu'à Bordeaux, dans la Cube, il y a énormément de clubs qui travaillent bien, que ce soit à Mérignac, Lormont. Il y a quand même des équipes qui placent des très très bons jeunes. Tu as Agen, tu as des places intéressantes. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait le Pays Basque, tu vois, qu'on arrive vraiment à trouver quelque chose. C'est-à-dire que les jeunes de Bayonne-Biarritz se sentent aujourd'hui beaucoup plus proches des clubs basques en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a des partenariats qui sont noués avec Eibar, avec la Real Sociedad, avec Bilbao, voire Osasuna pour certains. Et que voilà, ces jeunes-là, qui sont quand même très très bons, parce que c'est une formation assez atypique, c'est des joueurs qui sont extrêmement intelligents, qui ont un gros cuit foot, et à Bordeaux, on n'a jamais vraiment pu en profiter. Donc moi, j'ai envie de voir aussi cette volonté de nouer des partenariats jusqu'au Pays Basque français. J'espère que ça arrivera un jour. Maintenant, sur l'état de la formation aujourd'hui, bah déjà, si on prend à l'instant T, c'est vrai que les résultats sont vraiment bons, hein, que ce soit la réserve N3, nos U19, nos U17. Je crois qu'à chaque fois, c'est top 3 ou top 2 de leur championnat. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il y a des joueurs qui sont vraiment intéressants. Je pense qu'on a commencé, vous avez dû entendre parler de Delorier Chaubé, comme Lenny Peringel, qui avec l'équipe de France U18, lors du dernier rassemblement, a un peu crevé l'écran, je trouve, justement. Hein, c'est vraiment le joueur qui est sorti du lot pour moi. C'est vraiment, j'essaie d'être objectif, hein, parce que j'ai regardé ce match en disant, j'ai essayé de faire un focus sur lui parce qu'il m'intéresse, mais vraiment en regardant autour, c'est celui qui pour moi va sortir du lot rapidement. Après, je sais qu'il y a eu un article, alors ça c'est toujours un peu particulier, sur El Moutawakil, qui a été présenté comme le nouveau Chamac des Girondins. C'est lui mettre une grosse pression au gamin. Alors vas-y, c'est quel est le nom de ce joueur que tu viens de citer? Redis-le. C'est l'attaquant Saïb El Moutawakil qui évolue, qui a un U19, qui a été surclassé, qui est donc monté avec la réserve de Mathieu Chalmé ces derniers temps. Et j'ai vu que Sud-Ouest l'avait présenté comme le nouveau Marouane Chamakh. Alors forcément, d'origine marocaine, un profil assez athlétique, grand, la comparaison est toute trouvée. Mais en tout cas, c'est un jeune qui est intéressant, ça je peux le dire au chat. C'est quelqu'un, un gros gros travailleur qui vient d'être appelé avec, les U20 du Maroc. Donc il est aussi suivi là-bas, on sait que c'est un profil qui peut monter en puissance, qui peut engranger de la confiance. Donc moi, je trouve qu'en niveau de la formation girondine, si je parle vraiment de l'état des lieux aujourd'hui, il y a des bonnes choses. Je pense aussi à quelqu'un comme Romain Ferrier avec les U19, qui avait fait de très très bonnes choses à Rennes. Je pense qu'on n'a pas assez mis en valeur la formation rennaise ces derniers temps. C'est vrai qu'en France, on parle beaucoup des titis parisiens, où chaque année, tu as 4-5 gamins du PSG qui sortent, qui explosent, qui vont ensuite soit en Ligue 1, soit en Bundesliga. Tu as l'école lyonnaise, qui est quand même une référence depuis une quinzaine d'années. Mais Rennes, c'est l'un des clubs qui a le mieux travaillé. Et je trouve ça bien d'avoir récupéré Romain Ferrier pour les U19. D'autant qu'il a, c'est l'ancien joueur. Hein, oui, exactement. Qui a été champion de France. Champion de France 99, exactement. Il y a un joueur aussi, moi, que j'avais regardé un match d'équipe de France, tu parlais de Piringuel, et il y avait Louis-Jean Joanneco, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui est ce latéral gauche ou latéral droit. Putain, il a une carrure, il est assez impressionnant, mais il est aussi en équipe de France. Alors c'est vrai ce que tu dis sur la formation, mais est-ce que, moi ce que je me dis, pourquoi je posais cette question, c'est parce qu'il y a... On sait que le modèle économique, c'est sur le trading. Alors, il peut aussi faire du trading avec des joueurs de la formation. Hein. Je pense que c'est possible. Mais si tu recrutes un joueur, tu fais venir d'ailleurs, est-ce qu'il ne va pas être prioritaire par rapport à un autre joueur à valeur égale que tu, par rapport à un joueur de la formation, quoi. Donc, c'est exact. C'est ça. Et puis, je pense qu'à Bordeaux, peut-être qu'il y a eu l'exemple, pour moi, ça a été significatif lors de GACP. C'est le cas Gabriel Lemoine, ce jeune attaquant belge, qui est reparti... sans laisser une trace conséquente. C'est quand même un jeune joueur qui arrive, qui a très très peu de références, et je crois que son salaire c'était 25 000 ou 30 000 euros par mois. Et là on parle, pour moi on parle vraiment d'une dérive, parce qu'on lui a donné un salaire qui était monstrueux pour quelqu'un qui avait très très peu de garanties. Et après on sait que sous les Américains il y a beaucoup beaucoup de jeux d'agents. Je pense aussi que sous Gérard Lopez, on va pas se mentir, il y a ça. Maintenant ta question elle est pertinente, c'est à savoir comment est-ce que dans cet espace de trading on peut valoriser les jeunes joueurs. J'espère qu'il y aura quand même une place qui leur sera faite, parce que voilà, il y a du potentiel à Bordeaux, il y a quand même des éducateurs qui travaillent bien. Le Hayan, même si tout le monde a trouvé ça un peu vétuste, il y a quand même des infrastructures pour une équipe professionnelle en Ligue 1 qui sont de qualité. Il y a des éducateurs très performants à tous les niveaux. Voilà, Bordeaux coche toutes les cases pour faire sortir au moins un, deux joueurs par an. J'espère que ce sera
que ce sera le cas rapidement et que Gérard Lopez, que Admar Lopez ne sacrifieront pas justement ces jeunes joueurs au détriment de, voilà, de cette volonté exacerbée de faire du trading. Ce sont des jeunes joueurs qui sont intelligents, qui sauront trouver leur place dans l'équipe, même si c'est un processus qui demande évidemment beaucoup, beaucoup de temps. Mais Bordeaux a quand même cette tradition d'arriver à lancer au moins un jeune par an. Alors certes, ils ont des carrières qui ne sont pas toutes les mêmes, hein, de Adamounas, Thomas Touré à Jules Koundé et Tchouaméni, mais on arrive toujours au moins à lancer un jeune joueur. Peut-être parler de Sissoko sur la fin de saison dernière, qui est peut-être plus dans la post-formation, mais je pense qu'aussi c'est l'avantage de ce système Gérard Lopez, qu'on va pouvoir avoir beaucoup de joueurs post-formés, mais il ne faut pas que justement ils passent dans la hiérarchie devant ces jeunes joueurs du cru, parce que je pense que ça compte vraiment dans l'ADN du club. Je sais que Mathieu Chalmé est très apprécié, hein, par rapport au travail qu'il fait avec l'équipe de National 3. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des fois, est-ce qu'il faut vraiment mettre des anciens dans les clubs s'ils n'ont pas les compétences et tout. Et Mathieu Chalmé, il ne rentre absolument pas dans cette catégorie. Comme tu le dis, il fait un gros, gros travail. Il a vraiment des idées de jeu. Il a des principes, il travaille. Hein. N'oublions pas aussi que bon, c'était un exemple qui part de très, très loin. Mais quelqu'un comme Francaise à Lens, il est parti en travaillant avec la réserve, en travaillant avec son 3-5-2 pendant un an avant d'arriver en équipe première, de l'imposer. Donc je trouve que Mathieu Chalmé, au moins, il a cette patte. Voilà, au moins, il dégage quelque chose. Et ça, je trouve que c'est positif pour un entraîneur. Et comme tu dis, en plus, il est apprécié par ses joueurs, par ses dirigeants. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un Mathieu Chalmé s'installer au Girondin. Ouais, et il l'avait dit, j'ai eu l'occasion de lui parler avant le début de la saison, et il avait dit, il s'était fixé pour objectif de réussir le début de saison, ce qu'il avait dit avant, hein. Et bien il a réussi, hein, puisqu'ils ont enchaîné 4 victoires, quoi. 4 matchs, 4 victoires. C'est ça, exactement, et je pense que ça doit être aussi un objectif, hein, de remonter la réserve en N2, je ne sais plus quand exactement elle est descendue, peut-être le chat aura, mais ce n'est pas il y a 4-5 ans. Je ne sais plus exactement. Ça fait un petit moment en tout cas. Ça fait plusieurs saisons. Ça date de relégation. Alors évidemment, N3, bah, ça reste aussi un niveau avec de la compétitivité. Hein. Franchement, il y a certains déplacements, ils sont pas évidents tous les jours pour les Girondins. Mais en attendant, c'est vrai que ça peut être intéressant de monter la réserve. Et tu l'as dit, le début de saison, c'était un objectif. Il est parvenu. Il a un bon groupe de travail. Je crois pas qu'il y ait de pros. Il n'y a pas beaucoup de pros qui sont redescendus pour jouer des matchs, comme ça peut être beaucoup l'habitude ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il veut vraiment travailler avec son socle de jeunes. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ils ont fait la même préparation que les pros cette année. C'est-à-dire qu'ils m'avaient dit, pour réussir ça, il leur a imposé la même préparation physique que les pros. Bon, j'espère que j'allais dire une connerie, qu'elle aura été plus violente qu'avec Gassé. Bon, bref, c'était pour la blague. Gino, tu veux réagir? Non, je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai qu'il ne faut surtout pas, pour moi, se couper de cette formation qui nous a tellement donné aux Girondins et qui font partie, ben, voilà, du socle identitaire dont on a besoin, pour moi, dans un club. Et c'est vrai que les derniers exemples qu'on a eus, eh ben, ils sont super positifs et malgré tout, on ne les a pas gardés. Donc, c'est un peu le côté négatif, mais on a quand même deux des plus grands espoirs français quand même à leur poste, ben, qui ont été formés chez nous. Donc, c'est quand même une très belle publicité et ça prouve qu'on est capable de sortir des jeunes. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Et je trouve que dans le projet même de Lopez, qui est un projet trading que je n'aime pas, mais si on ne fait pas au moins une part à la formation, ben, ça serait une grave erreur de ne pas regarder ce qui se fait. Et si le travail est bien fait, notamment de Chalmé, comme tu l'as dit, Nico, eh ben, il faut vraiment s'inspirer de tout ce qui est fait par le club et avoir un regard dessus, c'est très important. Et pour ça, il ne faut quand même pas avoir trop de joueurs dans ton groupe. Alors, toi qui as l'habitude, Adrien, de discuter avec des personnalités d'autres clubs, est-ce qu'il faut quand même un groupe resserré pour intégrer des jeunes en termes de pro ou pas forcément? Je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Moi, je pense que la concurrence, l'émulation, ça fait partie de quelque chose qui est extrêmement positif en équipe de jeunes. Et voilà, il faut aussi inculquer cette espèce d'esprit collectif parce qu'évidemment, bah, le centre de formation, c'est un monde impitoyable, quoi. Tu sais que arrivé après dépasser le 19, bon, tu peux peut-être aller en réserve, et sinon, bah, c'est la porte. Et du coup, tu as envie de prouver individuellement, mais en même temps, bah, tu es dans un sport collectif. Donc, tu as ce paradoxe où tu dois jouer. Et à mon avis, je pense que
C'est aussi le rôle d'un éducateur de trouver cette bonne alchimie au sein de son groupe et justement de ne pas trop frustrer les remplaçants. Il y en a qui ont certains des principes de rotation, d'autres qui voilà, fonctionnent vraiment au mental, au coaching, où vraiment ils essaient de dire ben voilà, il y a des super subs, il y a d'autres rôles. Je pense que voilà, c'est à chaque éducateur d'avoir cette espèce de feeling. Mais pour la situation des Girondins, je trouve qu'à ce niveau-là, le travail est plutôt bien fait. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes talentueux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi des équipes B à chaque niveau, voire C. Et c'est jamais évident de contenter tout le monde. C'est le rôle, c'est un peu un rôle ingrat. Mais je pense que voilà, les éducateurs travaillent dans ce sens et arrivent justement à ce genre de compromis. Il va y avoir, alors je ne sais pas si tu abordes aussi le football féminin dans tes podcasts, il va y avoir, ils vont imposer aux clubs pro des centres de formation aussi, d'ici un an je crois, 12 mois. Donc Bordeaux devrait aussi se doter normalement d'un centre de formation. Donc, c'est exactement ça, ouais, je crois qu'à Bordeaux, il y a des équipes féminines, des U19 au U9, avec une école de foot aussi, je crois, de mémoire. Donc, il y a déjà des bonnes installations. On sait que bah, les Girondines, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien travaillé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bons recrutements. Il y a une belle mise en avant et une participation à cette campagne préliminaire de Ligue des Champions. Je pense que le club travaille dans ce sens. Et moi, pour le coup, je ne m'inquiète pas. Et je pense qu'il y a peut-être plus de clubs professionnels qui seront encore en retard à ce niveau-là, qui vont avoir plus de problèmes que les Girondins. Joe, tu veux réagir là-dessus avant qu'on enchaîne sur le dernier thème? Il est 20h47, on a bientôt fini. Non, après, on le sait, on en a déjà parlé par rapport à ça. C'est toujours ce fameux palier qu'il y a entre la formation et le niveau professionnel. Ça fait un petit moment, effectivement, qu'on n'a pas sorti une vraie lignée, qu'on a pu avoir avec l'époque des Gires, on a eu les Digari, Lizarazu, après on a eu les Chamac Planus. À chaque fois, dans les grosses périodes de bordelaise, tu avais effectivement un socle de joueurs formés au club qui faisait partie des leaders et qui était un petit peu l'âme de l'équipe. Et c'est vrai que si on avait eu un Koundé, un Tchouaméni dans l'effectif actuellement, le socle, tu l'aurais. Tu vois, c'est toujours pareil, voilà, malheureusement. Donc après, on voit que le foot a changé, que Bordeaux, malheureusement, a du mal pour l'instant à s'adapter à ce nouveau foot et à faire en sorte que les joueurs formés au club puissent avoir une carrière intéressante au niveau professionnel et notamment au Girondins. Mais on sait que maintenant tout va beaucoup plus vite. Donc on a vu Tchouaméni et Koundé, ils font une saison 2. Mais de suite, ça part. Tchouaméni n'avait pas prouvé grand-chose à l'époque à Bordeaux. On voyait le gros potentiel, mais c'était pas le joueur qu'on a deux saisons après à Monaco, clairement. Mais on sentait que ce mec-là avait quelque chose. Mais malheureusement, c'est pas à Bordeaux. Et je pense que malheureusement, les prochains qu'on aura, alors Péringuel, effectivement, je crois qu'ils l'ont fait signer en plus. Là. Déjà, il a un contrat pro, je ne sais plus. Il a déjà, je ne sais pas. Mais ouais. Moi, malheureusement, je sens que ce n'est pas le joueur qu'on va regarder très longtemps et qu'on verra beaucoup sous le col des Girondins pour l'instant. Donc voilà, mais je peux me tromper. Hein, mais j'y crois pas trop. Voilà. Salut Lionel qui nous rejoint sur le chat. Justement, sur le chat, Conan, il y a des réactions avant qu'on passe à l'autre thème. Il y a eu quelques réactions. Alors, il y a eu quelques réactions en fait, certaines positives. Donc, on dira à l'encouragement avec, on espère que ces jeunes vont percer, on espère que ça va donner pour les noms qui ont été cités et pour d'autres aussi. Maintenant, il y a eu deux trois réactions qui ont été dites comme je reprends un peu plus haut. Il y en a un qui a dit comme quoi que il y en a beaucoup aussi qu'on a vu, voilà, ce n'étaient pas des grosses étoiles à Bordeaux, ils ont éclaté ailleurs. Mmh. C'est vrai qu'on a souvent eu le cas ces dernières années, je dirais, sur. Prends l'exemple Ilan Kebal, rayonnant à Reims, appelé en sélection algérienne. Pour le coup, lui, c'est un peu plus particulier parce qu'en jeune, il n'était pas encore totalement prêt, je pense, mais ça fait partie des regrets des Essis. Ouais, mais ils se servent de cet échec bordelais pour rebondir ailleurs, hein, souvent, c'est après, ça. Hein, ça leur donne une force mentale. Après, c'est comment tu arrives à. Après, je pense que des échecs, il doit y en avoir dans tous les clubs. Hein, où tu as un joueur qui part et réussit. Bien sûr. Tous les clubs connaissent ce genre de situation. Ouais. Regarde Lyon avec Amine Gouiri, par exemple. C'est peut-être l'exemple le plus marquant de ces dernières années. C'est ça. Et je vois passer aussi sur le chat, Conan, excuse-moi, je prends ton travail. Vas-y. je ne sais plus qui disait ça, que finalement, si Koundé et Tchouaméni n'étaient pas partis, ils n'auraient pas eu la réussite qu'ils ont aujourd'hui. Pour leur développement et pour leur progression, c'était bien pour eux de partir parce que Bordeaux ne leur permettait pas de s'épanouir. Voilà, on ne progresse pas avec joueurs moyens et voire faibles. J'ai le commentaire sous les yeux. Exactement. Ouais.
Gino, je sens que tu veux réagir et après on enchaîne. Sur non, non, après, ça, on en avait déjà parlé. Oui, après, on en a parlé. Pas, on a eu cette discussion au moins 10 fois. Voilà. C'est pas totalement faux, mais tu peux te dire aussi qu'avec des joueurs comme ça, tu aurais pu construire un effectif différent avec des joueurs différents autour. Mais la vérité, c'est que ton effectif est tellement pathétique et faible que oui, tu peux te dire qu'ils ont bien fait en choix de carrière de partir. Et pour l'instant, en plus, ça leur donne totalement raison. Mais bon, c'est triste toujours pour le club, je pense. Après, c'est toujours pareil, on se rappelle de l'époque en 92 où on descend, on se bat sur la formation. En 2004, on est pas loin, 2005, on n'est pas loin de descendre. Ben après, on redevient champion 4 ans après avec un socle de formation qui était déjà là à ce moment-là, qui commence à arriver à ce moment-là. Donc, comme j'ai dit, les grosses périodes bordelaises, c'est toujours un socle important de joueurs qui, t'as toujours une, entre guillemets, une génération de joueurs formés au club qui sont un socle important. Donc, peut-être que pour Bordeaux revenir au premier plan, je pense qu'il va falloir effectivement un socle de deux joueurs formés au club qui soit solide et qui soit parmi les garants de cet effectif-là. Donc, tant qu'on n'aura pas peut-être cette génération-là, on ne pourra pas non plus remonter peut-être aussi. Après, c'est un peu la logique. Il y a souvent un parallèle. C'est un peu la logique quand tu regardes des petits jeunes qui ont joué, comme on disait avant, par exemple, qui jouent dans des équipes du Pays Basque ou autres, qui sont repérés, qu'on leur donne l'occasion de monter, qui ont le talent et qui montent en équipe après une à Bordeaux. Déjà, ils vont remercier le club de tout leur cœur. En plus de ça, derrière, ils auront l'amour du club. Donc, c'est pour ça que quand tu pars sur un socle de formation, ouais, je vois Nico Torrectus. Non, d'accord, l'amour du club, je sais pas. Le foot a changé énormément aussi. Mais ouais, t'as des jeunes qui sont supporters des Girondins et qui veulent être footballeurs pro. Il y en a. C'est ça. Voilà, donc, ils sont souvent dans la région bordelaise. C'est vrai. Allez, messieurs. Beau calendrier, octobre, on reçoit Nantes, on va à Lorient, on reçoit Reims. Ah, c'est moi qui pilote. C'est toi qui pilote. Mais écoute, retour peut-être de Jean Onana face à Nantes. Ouais, c'est espéré, ça fera trois semaines. Trois semaines pour se soigner, pour une lésion aux adducteurs, c'est minimum, on verra. Voilà, c'est notre championnat là. Je vais vous donner la parole. Pas te louper. Ouais, Gino, tu peux ton avis et ton pronostic. Non, mais pour moi, là, c'est clair. Ce que t'attends. Ben, t'es dans un championnat face à des équipes contre lesquelles ben, tu dois matcher. Là, il n'y a pas de secret à avoir. Hein. Lorient qui jouait pour ne pas descendre l'an dernier. Nantes, pareil, qui est bien mieux cette année, il faut le dire. Et Reims aussi, ce n'est pas une des grandes équipes du championnat non plus. Donc, pour moi, on doit être en capacité ben, de prendre des points. Et pour moi, on doit prendre entre 6 et 7 points minimum. C'est ce qu'il faudrait pour moi sur ce cycle de 3 matchs, et notamment à domicile. Il faut arrêter franchement de faire des contre-performances pour moi et lancer au moins la machine. On va avoir 2 matchs sur les 3 qui sont chez nous. Et il faut vraiment imposer quelque chose. Et autant dans l'envie que dans le résultat bien sûr, mais dans les intentions, j'espère qu'on va vraiment démarrer ces matchs ben pour les gagner et pas être timoré ou en demi-teinte, parce que sinon on sera en difficulté. Alors je vous ai mis le classement en même temps, alors c'est un peu petit, je suis désolé, j'ai pas réussi à faire plus gros, mais on voit que Lorient quand même 14 points les gars. Oui, ils font des bons débuts, hein, Lorient. Ah, Lorient, ouais. Double de points de Bordeaux. Hein. Ils sont extrêmement solides défensivement, c'est très très dur, hein. Franchement. Par rapport à l'année dernière. Ouais, Nice, Lille, beaucoup d'équipes sont cassées les dents sur cette équipe. Donc, Monaco, exactement. Donc, même Lyon, hein, bon, ils étaient à 11 contre 10 pendant un moment, mais ils font un début de saison très, très sérieux. Ouais. Nantes, qui ils sont classés où Nantes, d'ailleurs, je ne les vois plus. Ils sont 9e, 13 points. 13 points. Ouais. Bah, Nantes, c'est l'attaque. Ça va vite. Ça va très vite quand il a les joueurs alignés. Et des bons petits joueurs, hein. Ludovic Blas, qui est quand même un bon joueur du championnat, moi, que j'aime bien, qui commence à percer. Colomoigny devant le jeune, qui aussi a des qualités. Non, ils ont des joueurs, je pense, qui peuvent nous embêter. Simon aussi, à chaque fois. Simon, bah, avec une défense à 3, moi j'ai peur. Hein. Non, ouais. Pour l'instant, on est vraiment pas meilleur qu'eux sur le papier, hein, par rapport à Nantes, par rapport à tout ce qui se passe en début de saison. Joe, force en présence. Qu'est-ce que tu attends là sur ces trois matchs? Alors, Nantes, ça va être un contexte spécial. On sait que c'est l'anniversaire des 140 ans, donc j'espère que les joueurs vont quand même être un peu plus motivés que la normale. On n'a pas gagné encore un seul match à domicile, Dino l'a dit plusieurs fois là, depuis le début de l'émission. Ça commence à être quand même assez gênant, donc il faut réagir. Maintenant, Nantes,
On sait très bien, Bordeaux-Nantes, c'est le derby de l'Atlantique. Voilà, c'est pareil, c'est pas le meilleur adversaire à affronter à ce moment-là. Sur les 4 derniers matchs, je crois qu'ils ont gagné 3 matchs. Alors, c'est un peu courant alternatif. Et ils vont gagner 4-1 à Angers. Et ils vont se faire taper par Reims, qui est pour moi l'adversaire, le, entre guillemets, le plus abordable qu'on va avoir sur le mois qui vient. Reims n'est pas impressionnant. Parfois, ils arrivent à faire effectivement des petits matchs intéressants, notamment à Nantes. Mais Nantes est sur une bonne dynamique. Et il y a le fêté aussi, qui peuvent gâcher une belle fête. Et quand t'es Nantes, gâcher une fête à Bordeaux, c'est plutôt intéressant pour eux aussi, si tu vas par là. Donc, c'est peut-être pas le meilleur adversaire qu'on doit avoir à ce moment-là, du coup. Mais voilà, c'est aussi un match, du coup, c'est un petit derby. Donc, même si je ne trouve pas trop le derby, mais bon. Après, voilà, c'est une histoire, c'est deux clubs historiques. Donc, voilà. Mais Nantes, ça, c'est pas cadeau du tout, du tout, du tout. Effectivement, offensivement, ça va vite. Et donc, voilà, il va falloir trouver quand même une réponse à tout ça. Je ne sais pas si Petkovic et les joueurs l'auront, malheureusement. Lorient, c'est pas cadeau du tout au Moustoir. Clairement, et ouais, ils ont tapé Monaco, ils ont tapé Nice, ils ont tapé Lille, match nul contre à Lens, ils ont fait match nul contre Lyon. Voilà, c'est une équipe qui est très solide. Ils ont beaucoup plus de stabilité et de points plus sûrs que nous. Donc eux, ils ont trouvé leur système, ils ont trouvé leur jeu. Donc ils sont sur des certitudes que nous on n'a pas. Et on va là-bas et on sait très bien que Lorient, c'est pas non plus un déplacement qu'on aime faire. Donc voilà. Et puis t'as Reims. Reims, c'est l'adversaire le plus abordable. Comme j'ai dit, ils sont juste devant nous. Ils ont une victoire de plus. Hein. C'est juste ça la différence. Donc voilà. C'est celui-là qu'on va perdre. Mais Reims, on n'aime pas trop non plus ces dernières années. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, c'est un mois décisif. Il va falloir vraiment gagner à domicile. On a deux cartouches contre Nantes et Reims qui sont sur le papier abordables. Mais quand tu prends les éléments après un par un, tu vois que Bordeaux, effectivement, est inférieur à Nantes et à Lorient pour l'instant, clairement. Reims, ça reste à vérifier. Mais comme j'ai dit, on n'a aucune certitude. On aborde un mois qui est très important pour nous, pour notre championnat, comme on dit. Même si Lorient, je pense, sera un petit peu au-dessus, parce que je les trouve très solides, moi, perso. Donc je pense qu'ils seront beaucoup plus sereins que nous, que Nantes et que Reims. Mais vu comment on aborde ce mois-là, attention danger. Il n'y a pas d'urgence, mais attention danger. On peut avoir l'urgence à la fin du mois, et surtout qu'après, on affronte Paris. D'autant, Adrien, qu'on voit qu'entre les Girondins 16e et Clermont 15e, il y a déjà 3 points d'écart. 3 points vrai, avec la. Ouais. Il y a un petit trou qui se fait. Ah ouais. Attention, parce que voilà, je pense qu'il y a voilà, 3 Metz, Brest, Saint-Etienne par rapport à ce que ces équipes ont montré sur le début de saison. C'est peut-être les équipes qui vont être vraiment dans le dur. Et attention aux Girondins d'accrocher justement ce bon wagon, de ne pas directement se mettre, parce qu'on l'a dit, le niveau du championnat est de plus en plus homogène et de plus en plus dur, hein, exigeant. Et c'est aux Girondins justement, bah là, tu attaques cette ligne où tu as Nantes, Lorient, Reims. C'est le moment justement de faire décoller le projet. On sait qu'on n'a pas beaucoup de certitudes, donc ça s'annonce compliqué. Mais tu l'as dit, voilà, la victoire à Saint-Etienne, je pense ça a été une bouffée d'oxygène comme on en attendait depuis je ne sais combien de temps. Une victoire, c'est dire à quoi on se réduit, mais c'est normal aussi, hein. Ça fait très très longtemps que voilà, on parvient plus à enchaîner. Dès qu'on peut avoir une victoire, même si c'est contre le dernier, dans des conditions dantesques, on prend. Maintenant, tu l'as dit, voilà, il y a des équipes qui devant nous travaillent bien, ont des équipes, ont du banc, ont des bons coachs. Donc à Bordeaux aussi, de ne pas perdre le fil et pour pas se retrouver vite de nouveau dans cette zone rouge. Et voilà, j'espère qu'il y aura une réaction. C'est difficile à dire, mais une réaction évidemment d'orgueil, mais aussi voilà, dans le jeu, quoi, parce qu'on attend beaucoup, beaucoup plus de cette équipe collectivement et individuellement. Une première victoire à domicile, ça doit être l'objectif Bah, les 140 ans suprême, aussi, c'est normal. Voilà, et oui, c'est ça, exactement. Messieurs, petite question, vas-y. Christelle Mousnier, là, justement, qui demande, elle nous demande si mauvais résultats sur ces 3 matchs. Pensez-vous que Petkovic peut être inquiété sérieusement? Moi, je pense que oui. Après, est-ce qu'on a les moyens de virer un coach? Ça, je suis pas certain. Mais en tout cas, les supporters vont commencer vraiment à, et j'espère, hein, surtout, mais même déjà contre Nantes. Si on perd ce match-là, déjà, ça va commencer à poser problème. Et si à la fin du mois, effectivement, on n'a pas gagné un match, notamment à domicile. Voilà. Hein. C'est quoi la question? C'est s'il y a 3 défaites? Trois mauvais résultats, voilà. Est-ce qu'il pourra commencer à s'inquiéter, quoi? Parce que moi, je dirais que même trois nuls, pour moi, j'y considère comme mauvais résultats contre ces équipes. T'en penses quoi, Adrien? Et après Gino, il peut, je sais pas, si on gagne pas un match. C'est difficile de se projeter, mais ce serait un désaveu terrible pour ce début de cycle pour
pour Gérard Lopez, pour Admar Lopez, de virer celui qui est censé incarner ce projet. Vraiment, excusez-moi, c'est la notification qui fait tomber le portable. Je suis de retour. Non, moi, je pense que vraiment, s'il y a vraiment grosse inquiétude, il attendra le maximum de temps, c'est-à-dire peut-être à la trêve, à la mi-saison, pour le faire partir. Mais j'ai du mal à me dire que déjà, Petkovic pourrait être en danger. Je pense qu'ils se disent que voilà, il y a toujours des blessés, il y a des recrues qui ne sont pas encore en forme. Est-ce que quand Petkovic, dans un monde idéal, aura son groupe à 100% avec Nyang intégré, Ellis, le retour de Nana, voilà, là, on pourra vraiment juger, jauger. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Donc, c'est difficile. Après, bah, c'est dans chaque équipe. Hein, y a toujours des blessés, des absents. Je pense que son crédit, moi, il sera vraiment entamé à la mi-saison si ça se passe mal. J'ai du mal à avoir vraiment de l'urgence après voilà, les trois matchs qui arrivent. Gino ? Non, mais je pense que c'est pas possible de faire ça avec un coach qui vient d'arriver si vite. Hein, et par rapport au projet, je rejoins totalement Adrien. Et puis dans le cycle qu'on a au Girondin, on fait que ça, changer d'entraîneur et d'entraîneur tout le temps. Donc si on remet encore la faute sur l'entraîneur avec un tout nouveau projet qui démarre avec de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver et autres, pour moi on ne sera pas encore dans la bonne solution et je pense qu'on va encore reculer, donc ce ne sera pas la bonne méthode pour moi. Au moins lui laisser le temps de s'adapter et de mettre en place ce qu'il veut faire. Joe, tu veux dire un mot là-dessus, rapide? Non, moi je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais je pense que ça peut commencer à, entre guillemets, être embêtant pour lui. C'est juste ça en fait, je dis pas qu'il va sauter direct ou quoi que ce soit. Mais je pense que là par contre il sera beaucoup moins serein que ce qu'il est actuellement, parce que pour l'instant il est quand même très protégé, on le voit, c'est compliqué de lui en vouloir avec lui de toute façon. Voilà, c'est ce qui est logique aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné on a l'impression que pour l'instant ce qu'il a tenté, ce qu'il a essayé, il n'y a pas grand chose qui a fonctionné. Et là, comme on dit, il y a quand même un calendrier qui est plutôt, entre guillemets, abordable sur le papier comparé à ce qu'on a connu auparavant. Et là, si ça ne matche pas, ça va commencer un peu à être très gênant pour lui, je pense. Voilà, maintenant, quand Onana va revenir, mais après, attention, Onana, c'est un joueur qui se blesse. Nyang, on ne sait pas ce que ça va donner son niveau, etc. On peut attendre le retour des joueurs, hein, mais il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur ces joueurs-là. Donc, je pense qu'il faut qu'il trouve quand même vite la solution malgré tout, quoi qu'il arrive. Voilà. Allez, un pronostic sur il y a 9 points en jeu, 3x3. Un petit prono, Conan, ton prono. Combien de points les Girondins vont prendre? On se mouille, allez. Bon, c'est dur, En se mouillant, je donne 6 points aux Girondins. Sûr. Gino. Ah, j'aurais dit comme Conan, 6 points moi aussi. Adrien. 4. 4. Une victoire, un nul. Non, Adrien, on a dit qu'on se mouillait. Il faut. Non, mais 4, il faut, 4. Faut espérer. 4, c'est pas mal. C'est vrai. 4. Je suis encore traumatisé de Terem Moffi la saison dernière en moustoire et je pense qu'il va encore nous faire mal. Hein. Là, la défense, elle est au même niveau. Quel joueur. Super c'est vraiment lui qu'il nous faudrait. Ah voir. Ouais, quel joueur. Moi, on m'en avait parlé de ce joueur, je ne connaissais pas. Et puis j'ai vu ça en début de saison. J'ai fait ah ouais. Même au match aller déjà on avait gagné, mais il nous avait fait beaucoup, très mal. Joe, allez, alors Joe est le plus réaliste d'entre nous, voire le plus pessimiste, certains diront, Adrien. Alors moi j'ai envie de te dire surtout, là, si je veux vraiment être satisfait de ce mois-là, déjà il ne faut pas de défaite, donc ça veut dire minimum 3 points, mais surtout il va falloir gagner à domicile. Et j'ai envie de te dire, pour avoir vraiment un mois réussi et surtout qu'on se sorte un peu la tête de l'eau, pour moi, il faut 7 points. 2 victoires à domicile et un match nul à Lorient. Mais donc moi, je te dis, dans mon rêve idéal, ça serait 7 points. Donc j'ai envie de dire 7 points parce que là, j'ai envie qu'il se passe quelque chose maintenant. Parce que s'il ne se passe pas quelque chose maintenant, pour moi, on ne sera plus en danger, mais dans l'urgence derrière. C'est juste ça. Voilà. Donc j'ai envie d'être serein à la fin du mois d'octobre. Et c'est pour ça, et pour moi, pour être serein, s'il nous faut les 7 points. 7, ça serait bien, ouais. Voilà. Ouais, alors ça serait bien, mais moi j'y crois pas du tout. Hein. Je dis pas que j'y crois. Mais maintenant il faut arrêter. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il faut sortir du confort, etc. C'est comme on dit, il faut vraiment quelque chose de. Vraiment, voilà, faire quelque chose d'impactant pas. Et quelque chose d'important. Et là, du coup, il faut 2 victoires à domicile parce que tu as le match à domicile contre Reims et Nantes. Et puis, si tu peux aller chercher quelque chose à l'extérieur, ben, à Lorient, si tu arrives à faire quelque chose, ben, tu peux ramener un point, ça serait bien. Et là, tu pourras vraiment te dire qu'on a lancé quelque chose de nouveau et qu'il y a un changement qui sera lancé. Donc, voilà. Dans le meilleur des mondes, ça serait ça.
Très bien. Bon, mais messieurs, merci. 21h05, on a terminé. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose. Adrien, merci d'avoir été avec nous. C'était super. Formation Football Club, merci de nous avoir accompagnés pendant 7h30. Aucun problème. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous sur ces bons vieux Girondins qu'on aime tant, qui nous font souffrir et qu'on aime tant. Moi, j'avoue, aujourd'hui, là, ils me fatiguent. Là. Ce week-end, ils m'ont fatigué. Ouais, on est d'accord. Merci la trêve. Merci la trêve. Exactement. On est les seuls mecs contents de la trêve internationale. Ah, c'est un peu l'idée. Ah oui, la trêve, on va aller voir du foot amateur. S'il y en a, je ne sais pas s'il y en a dans la trêve. Normalement, bah, oui. Ouais. Peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, Joe, Gino, merci. Merci, Conan. Ouais, on se retrouve en direct lundi prochain, au moins. Peut-être qu'il y aura une émission avant, mais on verra. Peut-être un nouveau concept, on ne sait pas. On va y réfléchir. Bonne soirée à tous. On se quitte avec le générique des sociaux. On vous remercie pour votre soutien. Merci d'avoir quand même été assez nombreux à nous regarder en direct. On pense à tous ceux qui vont nous suivre en replay. Merci à vous. Vous êtes très nombreux à suivre en replay également. Ouais. Bonne soirée et allez Bordeaux. Bye bye. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao.